It's a gizmo! Une nouvelle vidéo place foot tous les jours de la semaine. Une nouvelle vidéo place foot tous les jours de la semaine. Les amis, bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur Bloxfruit. Aujourd'hui les amis, je suis super content parce que l'update numéro 20 est enfin sorti les gars. Et c'est incroyable les gars, tout a été changé, tout a été rework les gars. Regardez, si on va dans mes items, regardez-moi ça, la lame sombre, la Yoru, elle a été changée. Son apparence a été changée, il y a beaucoup de choses qui ont été transformées dans ce jeu. Regardez les gars, tous les fruits, ils ont plus du tout la même tronche qu'avant. Mais les gars, en parlant de fruits, on va en tester un nouveau aujourd'hui. Un qui a été extrêmement attendu, le fruit du mammouth les gars. Mais avant toute chose, attendez, je m'égare, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle parce que c'est incroyable les amis. J'espère que vous serez au rendez-vous pour cette mise à jour numéro 20 parce que ce qu'il y a dedans, c'est incroyable. Et les gars, croyez-moi, toute cette semaine de Blox Week, les gars, on va découvrir un peu tout ce qu'il y a dedans tous ensemble et ça va être incroyable. Ok, bon déjà, attendez, allons voir, y a pas un petit Blox Food Dealer ici? Salut mon pote, comment ça va? Voyons voir un petit peu ce qui se passe dans la boutique. Oh là là, bah oui, rupture de stock, directement le mammouth, il est là, on est dessus les amis. Il est incroyable je pense. J'ai vu les gars des trailers, des trucs de fou, et du coup ils ont rajouté ce fruit là, du coup le fruit du mammouth. On a donc le nouveau fruit du son également, et ça va être incroyable aussi. Faudra qu'on le teste évidemment. Et ils ont rajouté un autre petit fruit, Rocket. Voilà, je sais pas ce que c'est. Il coûte 5000 balles. Je sais pas à quoi il sert, d'accord? Je sais vraiment pas à quoi il sert, mais on le découvrira dans une prochaine vidéo. Mais attendez, parce que là ce qui nous intéresse du coup c'est le fruit du mammouth les gars. Le fruit du mammouth affiché et on est obligé de l'acheter avec des Robux évidemment. J'ai fait le plein les gars, j'ai fait le plein pour la mise à jour. 2300 Robux, c'est ça part. Et voilà, on l'a, on est équipé du fruit du mammouth permanent. Et c'est incroyable les gars, ça fait trop bizarre. Oh, un nouveau bateau, c'est vrai. Attendez les gars, il faudra qu'on voit ça aussi. Il faudra qu'on voit les nouveaux bateaux, mais vous inquiétez pas, toute chose en son temps. Attendez, il faut qu'on aille essayer du coup le fruit du mammouth. On a la première maîtrise. Voyons voir. Alors ça c'est toi qui va prendre là. Oh, le pirate millionnaire, il va prendre. Hop là. Oh là là. Oh, regardez-moi cette attaque de fou les gars. Ça prend déjà l'apparence du mammouth en ombre et tout. Et là, boum, on le défonce. Oh, 32. Je lui ai mis que 32 de dégâts. J'avais oublié de reload mes stats. Attendez, 6 exploration, groupe, 2 player. Je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas, il y a des nouveaux trucs, les gars. Je sais absolument pas tout ce que c'est. Qu'est-ce qu'on est loin? Attendez, on va. Wow, laissez-moi tranquille, les frérots. Attendez, on va quand même remettre nos stats. Et oui, évidemment. Oui, ça fait 75 Robux en plus. C'est pas grave. On remet tout dans le fruit. Ça bombarde, nickel. Un petit peu dans la mêlée quand même, et la défense. Et ben oui, on l'oublie pas. Hop là, nickel. Ça, c'est parfait. Et voyons voir maintenant combien elle fait de dégâts cette attaque. Enchaîne cutter, boum, 2785. Ok, et ça le propulse à l'autre bout. Oh, c'est une dinguerie. Aïe, c'est fou. Oh là là, le nouveau fruit exceptionnel, il est incroyable. Oh bah là, il est parti, je l'ai foutu dans l'eau le frérot. Bon écoute mon ref, je suis désolé, on va te défoncer. Mais c'est pour augmenter les maîtrises quand même. Mais reviens, mais j'ai l'impression qu'il se barre beaucoup plus facilement. Voilà, reste pas trop dans le feu. Et notre premier kill avec le fruit de l'éléphant les gars, le fruit du mammouth. Et on gagne beaucoup de maîtrise déjà, attendez, on gagne beaucoup de maîtrise. On a déjà True Prehistoric. La deuxième habilité quand on atteint la maîtrise 50, voyons voir ce que ça donne. Toi aussi tu prends. Ok, j'ai l'impression qu'il est encore plus gros que tout à l'heure. On voit plus rien. Oh, oh les gars, je l'ai rentré dedans, c'est une dinguerie. Aïe. Oh mais la portée elle est folle. C'est vrai que la première attaque on n'a pas vu un peu de loin, mais en fait ça fait 3 coups de. On dirait des coups de défense. Mais attendez, mais c'est une dinguerie. Regardez de loin ce que ça fait. Pam. Et ça fait 3 coups de défense. Mais on en a que 2 des défenses normalement. Je comprends pas. Et celui-là, voyons voir de loin. Oh là là, on le charge en fait. On le défonce et on lui fait du moins 2800. Attendez, voyons voir ce que ça donne avec le haki quand même. Le haki, la première attaque avec le haki, elle fait du combien? Oh, ça allait jusqu'à lui là-bas, pardon, excuse-moi mon pote. Et celle-là avec le haki, ok, 2800, c'est pareil, ça change pas grand-chose, mais c'est bien stylé. Eh frérot, tout doux, mon pote, tout doux. Ok, bon, on va augmenter nos maîtrises. Boum, allez, tiens, on défonce mon pote. La prochaine maîtrise, les gars, c'est la maîtrise numéro 100, Colossal Crusher. Rien que les noms des attaques, tu sais que ça va les défoncer. Oh, lui, il teste. Regardez, c'est trop mignon, il teste la Yoru parce qu'elle a été rework aussi. Ah, ça, on découvrira ça dans une prochaine vidéo. Ok, bon, maintenant, on va les défoncer. Juste, on va les défoncer parce qu'on veut savoir ce qu'il y a. Après, on veut savoir c'est quoi le Colossal Crusher. Et boum, on trône dessus mon pote. Et tu défonces. Ouah, c'est une dinguerie. Y'a pas un petit boss
boss par ici? Est-ce qu'il est là, le petit boss? Oh oui, il est là. Bah alors, mon pote, on va se faire notre premier boss. Ok, mon gâté. Hop là, on commence avec la technique du barbecue. C'est tranquille. Voilà, on le défonce. Voilà, un petit peu. Ancient cutter. Boum. Oh là 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 là. C'est bien qu'il essaye de la porter quand même. Et là, boum, on lui run dessus et on le défonce. On le monte en l'air. On l'a littéralement monté en l'air. On va essayer de le taper quand même au max. On dodge. Waouh. Boum, mon pote. Boum. Et on te run dessus. Bah attendez, je sais pas c'est quoi la portée. À quelle distance on peut commencer à lui courir dessus? D'ailleurs, ça va jusqu'à où ça? Attendez. Hop là. Hop. Est-ce que ça va jusque là-bas? Non, ça va pas jusqu'à lui là-bas. Ok, d'accord. Et si on part d'ici et qu'on lui court dessus, est-ce que ça marche? Ah non, pas du tout. Alors qu'on était dessus pourtant. Bon, je pense que les gars, de toute façon, il y aura peut-être des petits bugs avec ce fruit, mais qui vont l'améliorer au fil des petites mises à jour. Je pense qu'ils vont refaire des petits patchwork, des petits trucs. Attends, mon pote, on va te défoncer en vélométrise. Bah oui. T'es pas sorti de l'auberge, mon pote. Boum. True prehistoric hunt. Boum. Oh là là, mais là, on les défonce. Hein. Oh, c'est incroyable. Notre premier boss avec le fruit de mammouth. Et boum, enchant cutter. Et boum, true prehistoric. Oh là 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 là, ce qu'on lui met. Mon pote a dit adieu à la vie. Oh non, ça a pas attaqué en bas. Ok, ça attaque vraiment devant. C'est dommage. Mais c'est cool. Ok, boum, on lui court dessus. Oh, il a vraiment plus de vie, il est 1 HP. Ancient Cutter. Oh là 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 là, merci beaucoup, mon frérot. Et on a la maîtrise numéro 100. Et ça fait plaisir. Mais attendez, mais quelle est cette maîtrise? Quelle est-elle? Le Colossal Crusher. Ok, Colossal Crusher, ok. Donc ça fait toujours spawn un peu le mammouth, c'est un peu comme les autres. Et là, boum, oh là là, ce qu'on vient de lui mettre. Attendez, c'est quoi cette attaque? Ça lui court dessus et après ça le dégomme. Attendez, on a besoin d'un peu plus de précision. Oh, mais non, mais l'attaque, si t'enchaînes les coups, ça peut être très très vénère. Ok, on va essayer sur les deux là. Les deux, ils sont mis. Ok. Les deux se mettent contre moi. Ah mais très bien, d'accord. Vous êtes pas prêts les gars? Le Colossal Crusher. Oh là là, ouais mais c'est ça en fait. C'est ça, on les défonce. Et du coup l'attaque elle fait du 3150 un peu. Oh l'ananas. Aouh, ça va, on a le droit de regarder des ananas. Et boum, je te cours dessus mon pote et on les monte en l'air. Mais en fait si on enchaîne les trois attaques ça peut être vraiment super fort. Wouhou. Colossal Crusher. Boum. Et là on le défonce. Ah ouais, non c'est très très vénère. Mais les gars, on leur laisse même pas le temps de respirer si on fait toutes les attaques en fait. On va essayer un petit enchaînement là mon pote. Ancient Crusher. Ok. Historic Point. Et Colossal Crusher il est où? Bah mais c'est ça le problème, c'est que boum, on vient de chercher en l'air mon pote. On est venu le monter en l'air directement dans les airs. Ok, c'est très très stylé les amis. Mais de toute façon vous connaissez les gars. Pour être sûr de bien farm, il va falloir qu'on aille sur l'île des Cookie Crafters. Oh là, il se fait ses petits combats, il teste Sayuru. Mais lui il est trop mignon, depuis tout à l'heure il fait ses petites histoires. À l'attaque. Oh pardon, je voulais pas t'attaquer mon pote. Quoique, j'ai peut-être envie de t'attaquer mon pote. On teste le fruit du mammouth sur lui et boum, on va le chercher en l'air. C'est fou de pouvoir aller le chercher en l'air comme ça. Oh là là, boum, explosion. Ah mais on est en train de le défoncer. Oh là, il est où? Il a disparu. Oh là là, on est en train de le démonter. Oh là là, on lui met toutes les attaques. C'est une dinguerie. Ok, Ancient Cutter. Ok, on lui a pas fait de dégâts. Oulala. Oui, il essaye de m'attaquer. Oh, le gredin. Ok, on essaye celle-là, la charge. Ensuite, on la régresse avec ça. Et le Colossal Crusher. Oh non, on l'a raté. Eh les gars, on va réussir à l'avoir. Ok, j'ai pas réussi à l'avoir. Oh non, mais c'est cheaté. Ok, on essaye de lui foncer dessus. Ok, on lui fait un peu de dégâts. On l'enchaîne, Colossal Crusher. Reviens là, mon pote. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Ok, Colossal Crusher. Oh non, je l'ai pas eu. Aïe, il fait super mal. Boum. On le défonce, on le monte en l'air. Oh, il a plus de vie, moi non plus. Et lui, il a une grosse portée avec son épée. Je suis obligé d'aller au corps à corps. Ok. Ok, on l'a défoncé. Colossal Crusher. Oh oui, je l'ai eu. Oh oui, la dinguerie. Comment ça, la différence de niveau trop élevé? Ah bon? Oh, il est niveau 1500. Ah non, mais pourquoi j'ai autant galéré? C'est que je suis vraiment nul. Les gars, je suis en train de tester mon fruit. Et Bouddha avec la Yoru, c'est quand même très très cheaté en vrai de vrai. Mais bon les amis, vous savez ce qu'il nous reste à faire. On va aller sur l'île des Cookie Crafters. Attendez, Luxury Boat, attendez, j'ai pas envie de me faire. Oulala, Miracle, Free, The Sentinel. Attendez, c'est plein de... What? Verrouillé, ah ouais. Non mais attendez, mais là les gars, on est obligé de... Attendez, j'ai pas envie de me faire spoil. On va se téléporter là-bas, j'ai pas envie de me faire spoil. On va faire une vidéo sur les bateaux les gars. Et nous c'est parti, on va voir les Cookie Crafters pour tout simplement augmenter nos maîtrises. Déjà aller jusqu'à la maîtrise 200. Et oui, c'est pas mal déjà pour commencer. Hop là, on est arrivé les petits potes, on reprend le fruit du mammouth directement. On l'a déjà, on a juste à l'équiper, ça fait plaisir. Et là les gars, il va tout simplement falloir les défoncer. Mais attendez, j'ai envie de voir sur des groupes en fait. Les attaques de groupe, elles doivent être folles. Voyons voir, allez, on réunit la petite famille ici. Allez hop là, tout le monde vient là, merci beaucoup. Nickel les frérots, ça fait plaisir. Et là du coup, attendez, la prochaine maîtrise, c'est la Stampede maîtrise F du coup. Donc c'est sûrement un truc pour se déplacer. Et après les gars, maîtrise 300, vous savez, c'est un Zoan. Donc c'est la transformation, évidemment. Ok, Ancient Cutter. Oh là là, ok, on fait les petits 20 000. La course, ah oh ouais, mais on les défonce, on les a tous montés en l'air. Et boum, on les enchaîne avec ça. Oh là 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 là, on les a défoncés qu'on les a fait. Ok, par contre, je vais les continuer un peu avec ça. Hop là, voilà. Histoire de se calmer quand même. On va les calmer, les petits loups. Allez, on se remet tous en groupe. Là, les gars, ça va nous faire. Mais normalement, on va up à la maîtrise 200 hyper facilement. Ancient Cutter. Hop là, oh là là, mais ça les envoie tellement loin. Hop là, la course. Oh là là, on les a chase. Allez, venez. Venez, les petits loups, venez.
Je vous attends, allez, venez, venez là. Oh là là, Colossal Crusher. Colossal Crusher, boum. On les a démolis. On les a démolis. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? T'es un survivant, toi? Eh ben non, tu survis pas longtemps, pote. Oh là là, très hâte. Les gars, les enchaînements, ils sont assez fous avec ce fruit. C'est quand même une assez grosse dinguerie. J'ai très hâte d'aller jusqu'à la maîtrise 200 et puis 300, les gars. La transformation, vous connaissez, c'est toujours une dinguerie. Surtout là, bah, je vais pas vous spoil, mais je pense qu'on l'a un peu tous vu quand même sur YouTube. Le trailer était sorti, on a vu la transformation, elle est folle et j'ai trop envie de la tester. Oh, et ils sont de retour. Eh bah, c'est parti. En avant. Les amis, on est arrivé à la maîtrise 198. On est en train de défoncer le reste des Cookie Crafters pour tout simplement débloquer la maîtrise 200 du mammouth. Allez, 2-3 petits. Hop là, c'est parfait, les gars. New skill available. Après le Colossal Crusher, on a le Stampede. Le Stampede, qu'est-ce qu'il va nous donner, le petit frérot là? Attendez, voyons voir. Ok, Stampede, qu'est-ce que ça fait? What the fuck? Ça fait des ondes de choc sur le sol, mais c'est une dinguerie. Oh là là, attendez, quoi? Mais ça fait absolument rien, on n'a pas fait de dégâts, on a rien fait. Moi je pensais que c'était un truc pour se déplacer à la base. Attendez, on m'a eu là, attendez, je reste sur le sol, je fais juste des grosses ondes de choc. Et ça fait pas de dégâts? Mais c'est une dinguerie. Attendez, quoi? Je crois que j'ai réussi à me déplacer sur 5 cm. Attendez, on va essayer sur lui, voyons voir. Ok, on fait le stand pit sur lui, mais ça fait pas de dégâts. C'est une dinguerie. Je me suis fait scam. Elle sert à rien, cette maîtrise. Il faut faire une mise à jour sur le fruit là, les gars. Stampido. Peut-être qu'on a mal fait un truc, on réessaye. Ok, si, on a fait des dégâts. 3200. Ok, donc ça fait des dégâts. C'est une attaque ou c'est un truc de déplacement? Je sais plus. Donc c'est une attaque. Une attaque en F, d'accord. Ok, wow. Non, c'est tout sauf une attaque en fait. Mais quoi? Attendez, je comprends rien là. Je suis perdu, les gars. Attendez, Stampede, ça m'envoie sur lui. Ah ouais. Ouais, d'accord, c'est une agression de loin. Ah, on a cassé la map. Ah ouais, mais en fait, mais attendez, c'est hyper vénère si on enchaîne tout là. On a juste à stepper sur les mecs et ça les explose. Oh là, ça veut pas là. Oula, ça a bugué là. Ça a fait les dégâts, mais ça a bugué. Mais quoi, mais ça me lévite en l'air, mais je peux rien faire. Ok, boum. Et là, je fais pas de dégâts. Je comprends pas. Je comprends cette habilité qu'à moitié, les gars. Ok, on peut spawn sur les mecs et leur faire des dégâts. C'est tout ce que je sais. On va réessayer. Ok, Stampede. Boum, on lui saute dessus. Mais ok, c'est hyper dur à contrôler en fait. Attendez. On va essayer sur plusieurs ennemis là parce que je comprends pas tout. Ok, venez là. Ok. Stampede, boum, ok, c'est bon, on les défonce. Ok, j'ai compris le truc. Et boum, Stampede. Là les gars, je commence à bien maîtriser le fruit. Et c'est parfait parce que de toute façon on doit farm pour aller jusqu'à la maîtrise 300 et avoir la transformation. Stampede. C'est bon, on arrive à les défoncer, les gars. C'est parfait, on est des professionnels maintenant. Oh là 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 là, ces enchaînements. Je leur mets des enchaînements du feu de dieu. Bon, des fois le Stampede il marche pas. Mais comme je vous ai dit, les gars, c'est un nouveau fruit, il est peut-être pas au point. Il reste peut-être quelques petits détails à régler. Oh, salut les gars, comment ça va? T'es mon youtubeur préféré. Oh les gars, on est tombé sur des abonnés. Merci beaucoup les copains, ça fait plaisir. Vous êtes ici à l'avant-première du test du fruit du mammouth. Merci les gars, ça me fait super plaisir. Gros bisous sur vous. Après, peut-être un petit coup de Stampede. Voilà, Stampede. Désolé. En attendant, nous, on doit quand même continuer de farm, les gars. Il nous reste 90 maîtrises à avoir pour débloquer la transformation. Et c'est beaucoup. 3 semaines plus tard. Après une heure de farm, on arrive à la maîtrise 296 et je les ai tous affaiblis pour les terminer et acquérir le new skill available. La transformation, les gars. Enfin, on l'a, la transformation du mammouth, la transformation finale du dernier Zoan sorti sur Bloxwood. Et on va voir déjà après toutes ces attaques, les amis. Après le Stampede, oh le saut de fou. J'avais jamais fait un aussi gros saut. Bref, après toutes ces attaques, les amis, on va pouvoir avoir une transformation de fou furieux dans 3, 2, 1. La dinguerie. Regardez-moi ça, les gars. Elle est magnifique. Je pense que c'est la plus belle transformation qu'on a dans tout Bloxfruit. Elle est super belle. Attendez. Parce que l'animation de la transformation est incroyable aussi. Je vous la remets. Oh là 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 là. La terreur avec le cri de fou furieux que ça fait. Mais les gars, tout le monde est au courant dans la map. Hein. Tout le monde est au courant qu'on va les détruire. Regardez-moi ça. Oh, mais c'est trop stylé. On peut courir droit devant. Oh. Oh, on peut taper en clic, ok, d'accord, ça nous fait une attaque de plus en transformation. Oh là là, mais attendez, mais quoi, mais j'ai des jetpacks sous les pieds, c'est une dinguerie. Oh, non mais les gars, il est imposant ce truc. Est-ce que je fais des dégâts si je retombe sur quelqu'un? Oh, what, 1500 de dégâts, mais tout est une attaque. La transformation est une attaque tellement c'est vénère. Je fais 1500 de dégâts en leur ressautant dessus et plus 2800 quand je les tape avec ma trompe, mais c'est une dinguerie. Ah non, plus 1000 et quelques, ok, c'est pas énorme, mais c'est vraiment stylé. Attendez, une, ok, 1300, 2600, ok, et là, oh là 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 là, mais on les défonce et ça crée des pics dans le sol. Et tout, mais on est en train de casser la map. On va tout détruire, les gars. Ah ouais, mais là, mais oh là là. Attendez, parce qu'il va quand même falloir qu'on teste. Oh là, mais c'est un trampoline. C'est un trampoline. La map est un trampoline. Je suis en train de tous les écraser. C'est une dinguerie. Ça m'amuse trop. Mais c'est trop bien. Bon, je suis un enfant de 5 ans, hein, mais c'est vraiment génial. Oh là 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 là, on est en train de tous les exploser. Ils sont tous réunis là et boum. On fait des sauts qui font 9000 de dégâts. C'est parfait. Mais là, les gars, il va falloir qu'on essaye les attaques. C'est parti. Oh là là. Ah ouais, quand même. Ah ouais, au lieu de 3. What, attendez, il y a trop de trucs. Au lieu de 3 coups,
ça en met 5. C'est une dinguerie. Ok, donc ça élargit la zone et ça c'est... Oh là là, le Colossal Crusher il rigole même pas. Après, Colossal Crusher et True Prehistoric Punch, ils changent pas trop. Ça change pas trop. Ça reste un petit peu dans ce qu'on avait tout à l'heure. Sûrement avec plus de dégâts, les gars. Attendez, mais j'ai envie d'essayer le Stampede. C'est quoi le Stampede du coup? Wow, pardon, excuse-moi, trompé de touche. Oh là 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 là, 3600 quand même, hein, le Colossal Crusher. Oh là 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 là, mais c'est imposant. Mais t'arrives face à ça, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, par contre, le Stampede il fait rien. J'ai essayé le Stampede, il fait rien du tout. Attendez, on va réessayer. Parce que le Stampede il veut pas me TP quelque part. Je casse les arbres. Je suis paysagiste, je dégage les arbres. Bon, le Stampede il veut rien faire, c'est ça que je comprends pas. Non, mais là, les gars, je suis en train de casser toute cette zone en fait. Oh là 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 là, mais je détruis tout sur mon passage. Non, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que la transformation elle est magnifique. Le fruit il est parfait de A à Z. Après, à voir ce que ça vaut en PVP, mais je suis curieux du Stampede. Attendez, c'est juste le temps qu'on trouve, les gars, parce que le Stampede c'est. Ça, on a galéré à trouver aussi tout à l'heure et. Oh oui, ok, c'est bon, je l'ai trouvé. What? Les gars, je les chope et je les traîne avec moi. Mais c'est un truc de fou. Mais what? Mais attendez, mais ça va à l'infini. On peut pas s'arrêter, les gars, on peut pas s'arrêter. Le Stampede à l'infini. Non mais les gars, c'est une charge de malade, c'est une charge colossale. Mais qu'est-ce que je fais? Mais les gars, on peut défoncer un ennemi trop facilement comme ça. On le chope, on le défonce, il peut rien faire. Je crois qu'il y en a qui m'ont mis quelques dégâts, mais c'est tout. Attendez, le gars, on le chope. Ah ouais, non, ouais, non, ok, oui. Ouais, ça pique quand même un peu. Non mais attendez, mais c'est une dinguerie par contre. Le Stampede là en transformation, c'est un truc de fou. Attendez, je me dois de le réessayer. Toi, tu es mon cobaye. Viens là, Stampede. Oh là 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 là, mais on le traîne sur toute la distance. Regardez le nombre de dégâts, c'est une attaque qui peut faire autant de dégâts qu'on veut en fait. Elle peut faire du 1000 comme du 10 000 de dégâts, comme du 30 000 je pense. Regardez-moi cette attaque de fou. Et là on le termine, on le défonce. 11 000 de dégâts, parfait. Petite attaque bien sympa. C'est cheaté de fou les gars. Oh là là, même la mobilité et tout, c'est astronomique, c'est beaucoup trop cool. Non mais un mec face à ça, il a aucune chance. Après, comme je vous l'ai dit, à voir en PVP, ça peut peut-être changer. Bon attendez, par contre, je peux en prendre combien là dans le Stampede? J'ai envie d'essayer, tiens, je les prends tous. Le multiplicateur de dégâts, il est ouf. Oh mais on est en train de tous les arracher. Mais what les gars? Je les ai chopés, 50 000 de multiplicateurs, c'est une dinguerie. Avec une seule petite attaque comme ça. C'est même pas une attaque à la base, les gars, c'est un truc pour me déplacer. C'est juste ils avaient qu'à pas être sur mon passage. Oh yo. C'est un rhinocéros sur ma mammouth, on sait plus. Ok, et est-ce qu'on peut aller dans l'eau? C'est ça la question. Est-ce qu'avec ce fruit on peut pas aller? Ok d'accord, on peut pas. Pas du tout. Je me suis dit, il est peut-être assez grand pour esquiver les effets du fruit, mais bon, on peut pas aller dans l'eau. Mais les gars, est-ce que le Stampede ça peut marcher? Oh, ok, c'est parfait, il y a Big Mom. Attendez, j'ai envie de tester le Stampede sur Big Mom. Est-ce que ça va vraiment la choper et elle pourra nous faire zéro dégâts? Big Mom, je viens pour toi, coucou. Ok, Stampede directement sur Big Mom. Est-ce qu'on la chope et elle nous fait zéro dégâts? Ok, on la défonce. Oh non, on l'a lâché. Ouais, c'est ça qui est dur dans cette zone, c'est qu'on n'a pas de grande route. Ouais, non, elle nous défonce. Elle nous défonce quand même. On peut pas lui faire autant de dégâts qu'on veut. Elle nous tape en même temps, c'est foutu. Ouais, c'est foutu. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir. Aujourd'hui, les amis, on va tout simplement découvrir les nouveaux bateaux et la nouvelle île qui se trouve tout là-bas, les gars. On la voit au loin. Elle est arrivée dans l'update numéro 20. Et je traite de découvrir ce qu'il y a là-bas. Et si vous aussi, vous avez hâte de voir ce qu'il y a là-bas, bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle. On rush les 200 000 abonnés et je sais que vous pouvez le faire, j'ai confiance en vous, et oui. Ok, bon, c'est parti. Déjà, les gars, vous pouvez voir qu'on a le fruit du mammouth. Je l'ai up en balle, les gars. On a la transformation, on a tout. On l'a up en balle, c'est incroyable. Un des fruits les plus stylés de tout Bloxroot maintenant. C'est vrai qu'ils ont vraiment fait le taf, en vrai de vrai. Le flow du fruit est incroyable. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous avez toujours pas vu ma vidéo sur le fruit du mammouth, vous pouvez aller la voir, hein, voilà. Elle est sur la chaîne, disponible. Bon, attendez, cessons de tergiverser. Voyons voir ce que le Luxury Boat Dealer a à nous proposer, mon pote. Il y a des nouveaux bateaux, apparemment, donc bon, on va voir ça. On va commencer par le premier, voyons voir. Miracle Free, ça on connaît pas. What the hell? C'est quoi ce truc? Attendez, quoi? Ça remplace, est-ce que ça remplace le bateau banane? Attendez, non, il y a deux places. Ah ouais, là c'est la place passager, d'accord. Mais non, moi je veux être place conducteur, c'est une dinguerie. Ok, c'est stylé, attendez, mais je vois des ailes, me dites pas qu'il... Mais il vole, c'est incroyable. Attendez, faut que je passe en ligne droite pour qu'il vole. Attendez, il faut rester en ligne droite pour qu'il vole. Est-ce qu'il peut aller encore plus haut? Non, il redescend, il retombe, qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est quand on tourne qu'il tombe, je crois. Oh là là, mais c'est une dinguerie, les gars, on est dans les airs. Mais moi, attendez, j'avais vu dans le trailer que c'était pas lui qui volait, mais je savais pas qui. Attendez, ils ont fait que des bateaux volants? Je sais pas du tout. Ok, donc celui-là, c'est le monoplace free, un peu stylé, d'accord. Enfin, monoplace, non, pas du tout, vu que vous pouvez prendre votre petit pote avec vous, juste à l'avant, voilà. Il a qu'à se poser là, hop là, nickel, et c'est parfait. Mais bon, attendez, normalement, le prochain bateau, ça reviendra à celui qui est le plus rapide, The Sentinel. Du coup, qu'est-ce que c'est? Oh. Ok, d'accord, c'est pas du tout un petit bateau. Ok, je peux même pas me postiche sur le petit machin. Ok, donc c'est celui-là. Normalement, j'avais vu que celui-là volait et c'était sûr. Attendez. Déjà, voyons, hein. Inspectons les quartiers. Déjà, c'est très stylé. On peut pas s'allonger et dormir. Ça aurait été incroyable. On voit mon dégradé sur le pont avant quand je me mets là. Ok, donc franchement, c'est un bateau vraiment stylé. Mais attendez, faut que je me mette tout pour le conduire. On va aller directement au gouvernail, les amis. Waouh, mais pourquoi je dégringole? Mais ça y est, je peux me relever aussi. Attendez, c'est une dinguerie. Ce bateau veut pas de moi, les gars. Mais je veux.
Ce bateau veut pas de moi, il veut pas que je le conduise. Ok, donc voyons voir. Ok, c'est stylé, il a les flammes au réacteur. Et normalement, oui, on s'en va. Et c'est trop stylé. Oh là 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 là, les gars, ça me rappelle. Je sais pas si vous avez connu ça, les gars, ce dessin animé. Mais ça me rappelle Chasseur de Dragons. Est-ce que ça vous dit un truc avec les ailes comme ça en tissu qui vole? Mais attendez, mais c'est une dinguerie. Waouh, le demi-tour carré. Ouais, c'est Tokyo Drift dans les airs. Ok, non, mais ça, c'est trop stylé, les gars. Pour partir à l'abordage avec son équipage, c'est une dinguerie ce bateau. On peut vraiment faire des trucs de fou maintenant. Mais du coup, est-ce que il peut aller. Ah ouais, non, c'est dès qu'on s'approche de la terre, il redescend quand même. Parce que je me suis dit, mais en fait, on peut aller carrément dans la ville s'il vole. On va aller agresser les villageois comme ça. Leur survoler sur le crâne. Bon, voyons voir. Attendez. Il nous en reste combien des bateaux là? Guardian. Attendez quoi? Les gars, j'ai entendu le bruit d'un cibiste. Et je suis pas fou. Et quelque chose me dit qu'il y a des nouveaux cibistes aussi en mer. Eh ben oui. Mais ça, les gars, ce sera pour une prochaine vidéo, encore une fois. Et oui, et encore quelque chose à découvrir. Wow, on m'agresse. Il est fou, lui. Tu veux un coup de mammouth? T'es fou ou quoi, mon pote? T'es fou. Boum. Tu veux un coup de mammouth? C'est ça que tu veux? Tu veux que je te fonce dessus? Stampede. Ouais, c'est ça, t'as de la chance d'avoir enlevé tes dégâts, mon pote. Parce que sinon, Stampede et je t'écrase. Je t'écrase, mon pote. Je t'écrase. Ouais, bon, bah, toi, t'as de la chance. Je repars tout bougon. Bon, voyons voir. Attendez, il nous reste combien de bateaux, du coup? Moi, ça répond pas à ma question. Ok, prochain. Guardian, lanterne. Et ensuite, c'est verrouillé. D'accord, ok. Bateau verrouillé, tu peux pas encore acheter ce bateau. Bah, attendez, on va essayer le Guardian. Qu'est-ce que le Guardian? 5000, ok, d'accord. Ok, il est plus petit que l'autre, ok. Mais par contre, il a des canons là pour partir à l'abordage. Oh, on tire sur l'autre, il se barre avec un bateau. T'as de la chance, mon pote, t'as de la chance. Et il y a un espadon à l'avant, ok, c'est stylé, on peut se poser dessus. Oh là là, c'est stylé. Ah, l'abordage. Est-ce que lui, il vole? Il a pas l'air de pouvoir voler, lui, non? À moins que ce soit un poisson volant, j'en sais rien. Peut-être il va sous l'eau, les gars. Attendez, peut-être c'est un bateau poisson. Non, lui, d'accord, lui, il est normal, lui. Il a juste du flow avec la petite queue de baleine à l'arrière, là, c'est une dinguerie. Mais ouais, non, il a pas l'air de faire des dingueries. C'est un bateau normal. Remarque, il en faut, hein, on va pas mettre que des bateaux volants, les gars. Et voyons voir le dernier bateau, les amis, avant d'aller découvrir la nouvelle ville, le bateau lanterne. Oh, j'aime bien, j'aime beaucoup. Oh, il a du flow, la petite lanterne et tout, elle est bien stylée. Attendez, je peux me postiche dessus. Oh ouais, ça, petit flow et tout, la lumière qui se reflète et tout, c'est bien bien stylé. Ah ouais, même la place du gouvernail et tout, ça se voit que c'est la place du chef. Oh, il va vite, je crois qu'il va plus vite que l'autre. Ok, ah ouais, avec tous les drapeaux pirates, c'est une dinguerie. Non, il est trop stylé, les gars, il est trop stylé. Bah, vous savez quoi, on va partir avec lui, les amis, pour aller découvrir la nouvelle île qui est là-bas. C'est parti, les copains, en avant! Vers l'aventure! Je suis trop refait, les gars, je suis trop refait de cette update! Elle est folle, mais attendez, mais ça a l'air immense, non? Attendez. Ah non, je me suis trompé, c'est pas par là-bas, c'est tout par là-bas. Eh mais c'est loin, non? c'est loin, je mets du temps un peu. Il est pas si rapide que ça, ce bateau. Oh, vous savez quoi, ce bateau n'est absolument pas rapide, d'accord? boutique, attendez, le fruit de la lumière. Ah, il faut que je l'achète, je l'avais pas. Attendez, est-ce que je l'ai sur moi? Le fruit de la lumière. Bon, j'ai pas le fruit de la lumière, les gars. Allez, on va prendre Phoenix. Phoenix, c'est bien aussi pour voler. Ça vole vite, un Phoenix. Yahoo! Allez, hop là, on y va comme ça. Non, je rigole, transformation complète, les gars, un minimum de flow. Allez, c'est parti, je crois qu'on va plus vite que le bateau et au moins on a du style. Ok, donc là-bas, on a le château sur la mer, là-bas, il y a le centre des tortues. Ici, le château hanté, les amis. Et tout là-bas, il y a une nouvelle île, je sais même pas comment ça s'appelle. J'ai pas vu de nom, personnellement. J'ai aucune info sur cette île, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Et c'est bien pour ça qu'on y va. Et d'ailleurs, oulala, le jour se couche, la lune se lève, et moi ça me fait peur. moi, me balader en mer tout seul comme ça alors qu'il fait nuit, moi j'ai un peu peur, les gars. Je suis pas en confiance, les gars. Ok, on voit l'île, on s'en approche. Mais c'est dommage parce que ça avait l'air d'être d'une île sacrément jolie. Mais il va faire nuit, les gars, quand on va y arriver. C'est un peu relou. Moi je voulais voir ça en plein soleil et tout mignon. Mais les gars, je pense. Oh, j'ai encore entendu le bruit d'un cibiste. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils sont invisibles maintenant, les cibistes? Invisible beast, man. En tout cas, les gars, je pense qu'on va retrouver de nouveaux ennemis sur l'île qui est droit devant. Parce qu'ils ont augmenté les niveaux, les gars. Avant, les niveaux, ils s'arrêtaient à 2450. Et maintenant, je crois qu'ils s'arrêtent à 2550. C'est-à-dire qu'on peut encore up de 100 niveaux de plus sur cette île. Donc, à voir ce qu'il y a comme boss, s'il y a un boss même. Et voir sinon qui sont les adversaires. Oh, attendez. Oh, il pleut ici. Oh, what? Tiki Outpost? Attendez, mais c'est une dinguerie! Il pleut ici, ils ont fait un biome pluie et tout! Ah ouais, attendez, je suis pas fou! Y a que ici qui pleut! J'avais jamais vu de pluie encore sur Bloxwood, c'est une dinguerie! Ok, attendez, j'enlève ma transformation. Ok, donc y'a toute une ville un peu aux alentours et tout, c'est bien stylé. C'est quoi ça, c'est Cobra, mais c'est une ville d'Alabasta ça? Non, je sais pas. Je dirais Cobra de Alabasta, je sais pas, c'est peut-être pour ça. Ou pour autre chose, bah attendez, on va directement aller visiter les lieux! Salut les copains! Comment ça va? Comment va vous? Comment va? Ah, le boat dealer! Mais oui, les gars, attendez, on est trop bêtes! Ouais, non, y a toujours les bateaux de base en fait, c'est juste les luxury boats qu'on changeait. C'est dommage, moi j'aimais bien mon petit bateau banane quand même. Il l'a enlevé.
Voilà, bah, je te déteste pour ça, mon pote. Bon, attendez, comment on rentre là-dedans? Je vous demande. Ok, ici, on peut set le home point. D'accord, mais comment on rentre dans le bâtiment? C'est la question que je me pose. Comment on rentre ici? Oh, ok, on peut passer par là. Oh, c'est quoi cet endroit? Shark Hunter, salut, mon pote. T'as bien du flow. Qu'est-ce que tu cherches les problèmes, mon pote? Ou alors tu vas continuer de m'ennuyer? Si tu peux créer ces deux accessoires, j'aurai quelque chose pour toi. Attendez, quoi? Il faut craft quoi? Select Recipe. Ok, donc il faut... Attends, on peut avoir des trucs? Ah oui, d'accord, donc attendez, on peut avoir des... C'est quoi? Un collier de dents? Ou alors une mâchoire de la terreur? Qu'est-ce que c'est que ces délires? Je comprends pas ce qu'il me veut, ce mec. Les gars, je sais pas ce qu'il me veut. Ok, vas-y, craft, vas-y, Terror Joe. Ok, ah, il faut ramasser des trucs comme ça et on va pouvoir avoir des items. D'accord, Shark Hunter, mais ça veut dire qu'il faut aller défoncer des sea beasts ou des requins? Que c'est un Shark Hunter, j'ai envie de dire qu'il faut aller défoncer des requins, mais bon. Et tout Snakelace? Ah oui, d'accord, ok. Mais là, faut aller défoncer des requins pour avoir des dents de requin, non? Y a des requins maintenant sur le jeu? Je suis perdu. Et c'est que ça le bâtiment? Non, attendez, y a un énorme bâtiment là. Dites-moi qu'on peut rentrer dedans, voilà. Ah, j'ai trouvé l'entrée du palais. Bonjour. Y a personne? Bah, c'est pas très accueillant chez vous. Attendez, mais y a vraiment personne? À quoi sert cet énorme bâtiment? Au bout d'un moment, c'est une dinguerie. Normalement, on devrait pouvoir rentrer par ici. Écoutez, je comprends pas à quoi sert cet énorme bâtiment. C'est tout ça pour un Shark Hunter? Et bah dis donc, il doit avoir 5000 chambres d'amis, lui. Bon, allons visiter un petit peu la ville. Moi, je vois des gens qui se bagarrent là. Ok, on prend un petit, voilà. Est-ce qu'on peut le défoncer, lui? On peut le taper? Je sais pas si on peut le taper. On peut le taper? Bagarre. Ah oui, je l'ai tué. Oh mince. Oh pardon, mon pote. Mais j'ai gagné 11 000 de primes. Merci beaucoup. Et ça, du coup, c'est des Sun-Kissed Warriors. Ok, attendez. Sun-Kissed Warriors, mais ils viennent d'où, eux? Ils viennent d'où? J'arrive pas à savoir qui c'est dans One Piece, là. Bon, c'est pas grave. Et des Sun-Kissed Shark Warriors, je sais pas trop d'où ils viennent. Ils ressemblent mi à des mecs de Skypea, mi à des mecs de... Waouh, ils me lancent des trucs. Waouh. Oula, il est énervé, lui. Mais ouais, je sais pas, il ressemble mi à un poisson, mi gars de Skypea, mi je sais pas quoi. Je sais pas qui sont ces gens, d'accord? Allons voir l'autre côté de la ville. Il y a sûrement des petits secrets, des petits trucs à trouver là. Qui êtes-vous, vous? Icel Outlaw, mais qui es-tu? Je ne sais pas qui tu es. Ok, d'accord, tu fais mal. Ok, ils font plutôt mal. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a tout le monde qui est en train de farmer parce que, évidemment, bah, personne n'a encore ces niveaux-là, les gars. Même ceux qui avaient le plus haut niveau du jeu, ils sont obligés de revenir farm. Eh oui, Tiki Quest. C'est qui? Vous êtes qui? Vous êtes l'ami en nul? C'est vous? Bah écoutez, c'est tout ce qu'il y a sur cette île. Est-ce que c'est réellement tout ce qu'il y a sur cette île? Non, doit y avoir des trucs en plus, non? Voyons voir, tout au-dessus du bâtiment, il y a pas des petits trucs en plus? Ah! Oh, il y a un espion! Oh là là, il a du flow, lui, le frérot! Un petit espion! Oh! Eh, tu es curieux à propos du Léviathan? Ouh, le Léviathan qui, dis donc, peut-être est le nouveau civiste! Moi, je dis ça, je dis rien, les gars! Hein. Origin, clues, origine, parle-moi de l'origine! Eh bien, tu veux en apprendre un peu plus quant à l'origine du Léviathan? Voilà ce que j'ai entendu! Il y a très longtemps, le Léviathan était un nouveau-né, un tout petit truc de pacotille qui est né dans un monde recouvert par un hiver éternel. Un millénaire est donc passé et l'énergie d'un solstice a réchauffé la planète qui a fait fondre la glace. Il était caché donc dans les profondeurs des océans avec d'autres créatures océaniques. Now is the Red King's release. Ok, maintenant avec le roi rouge qui est libéré, il va émerger, il émerge. Ok, d'accord, donc là le Léviathan il s'est fait libérer de la glace et on va tous mourir. Voilà ce que j'ai compris. Et maintenant, Clues. Alors, est-ce que t'as des petits indices, des petits trucs? Il a rien entendu. C'est silencieux comme un bateau hanté ici. Oh, on peut en apprendre plus pour 1500 petits fragments? J'ai pas assez de fragments. Ok, ça peut être intéressant, les gars. On pourra peut-être faire cette quête dans la vidéo du Léviathan, pourquoi pas? Parce que maintenant, du coup, je viens d'apprendre... Oh, j'ai cru que c'était un Léviathan. J'ai cru que c'était un truc très mal fait. Mais c'est ça, non? Attendez, qu'est-ce que c'est qui dépasse, là? Mais c'est ça, en fait, c'est le Léviathan, c'est ça, non? Ça sort d'où, ce truc? Ah oui, non, c'est la décoration. Ah, mais je viens de capter la déco un peu. C'est un petite déco léviathanesque, un peu stylé, d'accord. Mais ça, les gars, je suis très curieux de faire cette quête, là. On verra ça pour une vidéo, les gars, mais j'ai très envie de voir. Je suis sûr que c'est lié à tout ça. Je suis sûr que c'est lié au nouveau civiste, en fait. C'est forcément ça. Ok, donc on en apprend un petit peu plus sur cet endroit. Mais par contre, du coup, ouais, cette ville, je sais pas. Est-ce qu'elle a des secrets? Est-ce qu'elle a des petits trucs? Là, déjà, on a trouvé un sacré secret de la ville. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs en plus? Des boss? Je pense pas qu'il y ait de boss, en vrai. En vrai, de vrai, je pense pas qu'il y ait de boss. Je pense qu'il y a juste des petits gens à taper pour farm, en fait. Mais est-ce qu'il y a des trucs ici? On peut grimper par là? J'ai envie de grimper. Est-ce qu'il y a des trucs? Ça sent le truc caché ici. Ça sent la cachette par là. Il faut monter des échelles. Il y a toujours des petites cachettes en haut. Il y a des cachettes de trucs. Qu'est-ce qu'il y a en haut de cette tour, dis donc? Est-ce que c'est juste de la déco ou alors il y a un autre petit frérot qui va pouvoir nous parler pour nous apprendre des choses sur cette ville? Oh, sehr gut. Les gars, désolé, quand je suis excité, je deviens allemand. Mais attendez, quoi? Dragon Talon Sage? Mais Dragon Talon, c'est exactement ce que j'ai, je crois. Hein. Les gars, je crois que c'est exactement le style de combat que j'ai. Mais attendez, ça sert à quoi cette dame? Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui en
enchant craft. Quoi? Je peux t'aider en enchantant des items. Choisis un truc que tu veux enchanter. Oh attendez, il y a un mec là, qu'est-ce qu'il nous veut lui? Va nous taper. Fais voir une épée. What's the item? Please equip a sword first. Ok, attendez, on peut choisir de mettre un enchantement sur une épée. C'est une dinguerie. Vous savez quoi? On va essayer la Rengoku. On va essayer la Rengoku, voilà. Ok, allez, enchante. Une épée, j'ai une épée. Du Rengoku is too weak. Ça la casserait si je l'enchantais. Ah, il faut que je l'upgrade. Mais attendez, ah ouais, il faut les upgrade au max peut-être en fait. Ah, mais c'est une dinguerie ça. Et craft, c'est quoi craft? Select scroll type. Ok, après, ah ouais, d'accord, il faut... Qu'est-ce que tu me veux toi? T'es malade toi? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce mec? C'est quoi ce truc? C'est un phasme! C'est un phasme! Mais ils sont trop bizarres les gens ici! Mais regardez la dégaine du type! Mais la dégaine du type! Reviens là, t'es fou! C'est quoi cette dex? C'est un malade lui! Regarde cette dex! C'est un phasme! C'est un bout de bois, t'as un bout de bois flottant frère! C'est une dinguerie de faire ça! Reviens là! Mais il part le bout de bois flottant! Reviens là, bout de bois flottant! Je vais bombarder ton bateau, bout de bois flottant! C'est un malade! Et lui, c'est un capitaine de bateau! Regardez-moi ça! Bah, tiens! Ouais, c'est ça, une safe zone, hein. Ouais, c'est ça, t'as de la chance! Bon, et bien les amis, je pense qu'on a à peu près tout découvert de cette île, ou alors s'il y a d'autres choses, les gars, dites-le-moi en commentaire. Je suis pas du tout allé me renseigner les gars, je suis allé découvrir par moi-même comme un petit aventurier. Mais au moins on a appris que on pouvait crafter des trucs, obtenir une petite quête du Léviathan là, un peu stylé, faire des enchantements, plein de trucs bien cool les gars. Et les amis, j'avais donc testé le fruit du mammouth les gars, regardez-moi ce fruit de fou. Et je l'avais maxé les gars, on avait réussi à avoir la transformation, on avait réussi à avoir toutes les maîtrises sur ce fruit. Et c'était une plutôt grosse dinguerie en vrai de vrai, on l'a testé. Et surtout grâce à ça les gars, regardez-moi ce stampede là, on chope les ennemis et on les défonce. Attendez, il est où? On les chope et on les défonce en 2-2, on peut les tuer super facilement comme ça, à l'infini. Voilà, on fait un petit tour de quartier comme ça et on les défonce. C'est quand même un truc de fou furieux. Enfin bref, je vais pas vous apprendre ce que c'est que le fruit du mammouth étant donné que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous l'avez pas vu, allez la voir, voilà. Mais sachez-le les amis, ils ont sorti un autre fruit. Le fruit du son, de la musique, de la mélodie, si. Et c'est ce fruit qu'on va découvrir aujourd'hui, les gars. Donc pour ça, bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle, parce qu'on rush les 200 000 abonnés, et oui, c'est pas rien. Et j'ai confiance en vous pour le faire. Vous savez quoi, les gars, on va y aller en stampede, attendez. On va aller acheter ce fruit en stampede. Boum. Attendez, est-ce que je peux foncer sur un Bouddha? Est-ce que je peux foncer sur un Bouddha? Je fonce sur le Bouddha. J'arrive pas à lui foncer. Je crois qu'il y a un mec qui a le fruit de la musique. Oh, j'ai chopé quelqu'un. Pardon, excusez-moi, le niveau était trop élevé. Désolé. Allez, c'est parti, on va acheter le fruit. Je chope les méchants au passage. Wouhou. En avant, les gars. Oh là là, mais je vais casser toute la ville. Boum boum, c'est moi que v'là, c'est Dumbo. Oh là là, c'est une dinguerie. Oh là 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 là, mais les gars, je vais réveiller tout le monde dans le quartier là. C'est un truc de fou furieux. Je vais acheter un nouveau fruit. Oh, c'est un truc de fou les gars. Hop là, ben vous savez quoi, avec un peu de chance, imaginez, on l'a en random les gars. Ça serait quand même une assez grosse dinguerie. Moi, je suis très très chaud de l'avoir en random, le Bloxwatch Gacha. Allez, s'il te plaît frérot, donne-nous le fruit du son comme ça. Allez, on achète le fruit et on a... Oh, on a quand même pas que le Bouddha les gars. Regardez-moi cette dinguerie. On a réussi à choper le Bouddha, il est bien stylé. Wow, le fruit, l'animation et tout. Eh, c'est un truc de fou. Je veux le storm, hein. C'est parfait, fruit stocké. Et ben voilà, il est là, posé, ben nickel. Un petit fruit épique, c'est pas mal, ça fait plaisir. Bon. Moi, je veux le fruit du son ici, on n'est pas pour tester le Bouddha ni rien, hein. Hop là, on va voir le petit Bloxwood dealer. Salut mon pote, je grimpe sur ton crâne et tu vas me vendre un fruit en plus. J'imagine qu'il est en rupture de stock, où est-ce qu'il est le fruit du son? Il est là, les gars. Il a 1, 2, 3, 4, 5 maîtrises et il se finit au niveau 250. Ok, c'est pas grave. Acheté avec 1900 Robux, est-ce que j'ai assez de Robux? Oui, évidemment, on a assez de Robux et boum, on paye les 1900. C'est parti. Et au moins, là, on est équipé du fruit du son, les gars. Et là, je suis très curieux, les gars. Moi, je suis très, très curieux parce que j'avais kiffé les notes de musique avec la soul guitare. Voilà, les attaques en musique. Moi, ça me fait kiffer. Donc, voyons voir comment ce fruit fonctionne. Déjà, on a un tempometer. Je sais pas à quoi il sert encore. C'est peut-être pour la dernière maîtrise qui s'appelle Tempo Prestissimo. Mais en attendant, on va tester quand même la première maîtrise qui s'appelle Rhapsody Note. Voyons voir. Oh là là, c'est stylé. Déjà, esthétiquement, les gars, le fruit, il est incroyable. On fait Rhapsody Note, on reste comme ça. Et boum. Ok, ça fait une petite attaque à 2200. Et ça fait une petite note, hein, les gars, attendez. Ça fait une petite note toute mimi. On la joue. Oh là là, c'est trop mignon. Ça fait des petites notes sympas. Allez, donne-moi des maîtrises. Au moins, allez, à maîtrise 50. Je suis pas sûr que ce mec-là va nous donner 50 maîtrises, mais bon. Hop là, une dernière note pour toi, mon chou. Hop là, c'est parfait. Et combien de maîtrises on va gagner grâce à ça? Oh, quand même pas mal, les gars. 42 petites maîtrises. Et bah, attendez, j'ai très envie de voir la 50e. Oula, pardon, je l'ai tapé un peu trop vite. Toi là-bas, barbecue man. Et oui, faut pas prendre feu comme ça. Hop là, on va te mettre une petite note de musique et boum. Ok, maîtrise numéro 52. Et là, on a gagné du coup le fortissimo. Mais qu'est-ce que ça va être le fortissimo? Voyons voir. Ça, c'est mes cobayes, ça. Ils sont habillés en petit chimiste, c'est parce que c'est mes cobayes. Fortissimo, qu'est-ce que ça fait? Oh là là, oh, c'est une dinguerie. La note, elle est trop stylée. Attendez, on leur attaque avec ça. Hop là, boum. Est-ce que ça a une portée, la Rhapsody Note? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que ça a une grande portée ou pas? Attendez, avant de tester ça. Voilà, oh. Voyons voir. Attendez, si je vais là et que je tire là-bas, est-ce que ça tire comme ça?
Ah ouais, ah ouais, ça attaque de super loin, mais c'est une dinguerie. Et le fortissimo, les gars, écoutons la note fortissimo. Oh là 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 là, ça fait une trompette de fou furieux. Par contre, il a une moins grosse portée, je crois. Imaginons, je vais là, le mec est là-bas. Est-ce que si je tire là-bas, ça le touche ou pas? Ah ouais, non, ça a quand même une toute petite portée quand même. Fortissimo. Boum, fortissimo qui fait du 3000 quand même. 3000 de dégâts, ça met bien. Non, c'est trop stylé. Franchement, le fruit, il est incroyable. Hop là, dégage toi. Le fruit, les gars, il est beaucoup trop stylé en vrai de vrai. Imaginez, attendez, je suis en train de m'imaginer un petit truc là, les gars. Imaginez que pour utiliser la dernière maîtrise, il faille faire toutes les attaques dans le bon ordre pour faire une belle symphonie et faire la dernière maîtrise. Non, ce serait trop compliqué, les gars. En combat et tout, ce serait trop compliqué. Parce que là, ça se suit même pas les notes. Non, ça se suit pas, les gars. Ça a pas de cohésion, je crois. Bon, attendez, on va aller voir s'il y a pas un petit boss quelque part là. On veut gagner la symphonique radiance, les gars. Je suis curieux de voir. Mais déjà, esthétiquement, déjà, le fruit, il est incroyable. Je le trouve magnifique en vrai de vrai. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Parce que moi, je le trouve vraiment super beau. Je crois que c'est un des plus beaux fruits. Genre, il est dans le top 5 des plus beaux. En termes purement esthétiques, voyez-vous ce que je veux dire? Y a pas un petit boss ici, Faritas, quelque part, non? Même pas? Alors ça, c'est pas cool. Mais bah, c'est pas grave, on va aller voir par là-bas. Ça se trouve, il y a Smoker. Smoker, mon pote. Smogogo. Donne-moi mes maîtrises, Smogogo. Eh, j'ai confiance en toi pour nous aider, mon petit pote. Attendez, pourquoi je peux plus sauter là? Pourquoi je peux plus? C'est pas cool. Ok, bon, voyons voir. Un petit coffre, ça se refuse pas, on a besoin d'oseille. Smoker, est-ce qu'il est là? Y a pas Smoker! Mais non! Eh ben, on va aller défoncer ses petits potes, c'est pas grave. Il est pas là, on canarde les autres. Non, mais vous inquiétez pas, les gars, on va pas les taper, on va juste leur jouer une douce musique. Hop là, évidemment qu'on va les taper. Boum! Mais c'est plus fun en chanson. Il est où d'ailleurs? On l'a fait disparaître. Les gars, on l'a vraiment fait disparaître là par contre. Il est où? Je l'ai mis. Mais quoi? Je l'ai enterré? Où est-ce qu'il est? Il a disparu, les gars, je l'ai enterré. Vraiment? T'es une dinguerie. Et toi, je peux ça t'enterre aussi? Non, toi, tu restes en vie, bah oui. Fortissimo, boum! Oh, toi, tu vas te prendre des notes de musique dans la tête, mon pote, et pouh! Maîtrise 72. Allez, boum! On va vous cueillir au fortissimo, vous. Ok, toi, viens là. Oh, toi, t'as respawn, c'est bon, tu t'es déterré du sol? Ok, les deux, ils vont prendre un fortissimo, t'as jamais vu ça? Fortissimo! Maîtrise 83, merci à tous. On va bientôt avoir la symphonique radiance. Attendez, attendez, on va faire un petit groupe de malheureux personnages. Comme ça, on va pouvoir enchaîner les petites maîtrises. Allez, mon pote. Allez, toi, je te cogne. Hop, là, c'est bon, c'est parfait. Toi, viens là aussi, tu prends tes coups de poing. Nickel, allez, venez là, on va faire de la musique. Tu ne me congèles pas, c'est suffit maintenant. Ok, bon, bah, je pense que les trois là, ils vont prendre leur fortissimo, hein. Oh non, l'autre, il a respawn là-bas. Reviens là. Mais cessez de me glacer. Toi, tu suis. Mais ils sont indisciplinés. Bon, vous me saoulez. Hop là, fortissimo pour vous. Et toi, là-bas, toi, tu vas prendre aussi ta petite note de musique. Eh oui. Mais les gars, attendez. Qu'est-ce que la symphonique radiance? Je suis très curieux de voir ça. Toi, mais tu commences à me saouler, toi, tiens. Mange-toi ça. Hop là, fortissimo. Mon pote. Oh, plus qu'une seule maîtrise. Tiens, bouffe tes notes. Hop, un coup de poing. Et hop là. Oh, c'est qui va se prendre le fortissimo? Oh là là. Oh, ça va, je rigolais. Pas besoin de nous congeler tous les deux. Hop là, fortissimo en première personne. Et boum. Ok. Symphonique Radiance. C'est vrai, on va voir. Tiens, bah, c'est quoi, toi, tu seras mon petit test. Symphonique Radiance, qu'est-ce que ça fait? Oh, c'est une dinguerie. Oh, la boule disco. Wouah, et ça explose en plus. Ça explose après en boule disco de fou. Mais attendez, mais c'est une dinguerie. Ça fait énormément de dégâts en vrai. C'est une attaque à 4000 quand même. Ah, attendez, on remet la boule disco. Allez, boum, sur le dance floor, mon pote, et ça le défonce. Et oh, wow, mais c'est trop stylé, c'est beaucoup trop cool. Et les gars, là, vous connaissez, de toute façon, vous connaissez la chanson, voilà, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. On va aller en C3. Et oui, les gars, c'est quand même plus simple pour augmenter ses maîtrises en C3. Et oui, parce qu'on gagne beaucoup plus d'XP sur les méchants de là-bas. Ok, bon, vous savez quoi, on va aller voir à la ville Hydre. Est-ce qu'il y aurait-il pas un petit boss ici? Oh, bah nickel, il y a l'impératrice de l'île. Et bah, alors ça, c'est parfait, on s'équipe tout de suite du fruit de la musique et on va la défoncer. Le fruit du son, pardon, excusez-moi, c'est pas le fruit de la musique, mais ça ressemble beaucoup quand même. Ok, bonjour, madame l'impératrice de l'île. On vient pour vous défoncer. Ah bah oui, mais désolé, fallait pas être un boss aussi, hein. Hop là, kaboum. Alors voyons voir la radiance. La radiance, ça fait combien de dégâts sur vous, madame? Ok, 4100, 4200. 4200, c'est pas mal, adjugé vendu. Et boum. Elle est où? Elle est où? Y'a une chose sur combien pour que ça fasse des pop quelqu'un? Les gars, y'a une chose sur combien pour que ça fasse des pop quelqu'un? A chaque fois que j'utilise le Rhapsody Note là, ça fait des pop quelqu'un, c'est un truc de fou. Elle a disparu dans l'oubli, c'est un truc de malade. Les gars, elle est dangereuse cette technique. Parce que tout à l'heure ça a fait des pop un mec, mais après il a respawn, c'est comme s'il avait été mort. Mais là l'impératrice elle met super longtemps à respawn. Mais non, ça m'a flingué un boss. C'est dommage. Bon bah vous allez prendre pour elle, hein. Allez hop là, boum. Ah bah ouais, mais ça se tape, hein. Je suis curieux, est-ce qu'il y a des vrais boss quelque part là? Mais du coup j'ai même plus envie d'utiliser le Rhapsody Note là parce que. Oh là, mais le jeu il est bugué. Attendez, c'est quoi ce délire? De gâteau. Hop là, on va à la terre de gâteau et bon, on arrive directement chez Cookie Crafters. Bah dis donc, est-ce que ce serait pas un signe du destin tout ça? Eh ben moi je crois que oui. Allez hop là, boum. On va tester voir un petit peu la boule disco, les gars. Je suis curieux de voir la boule disco sur tout un groupe. Ça doit être assez fou. On va faire des pronostics. Ils sont combien? Donc ils sont 7. 7 x 4200. Ça devrait faire du 29 400, les gars. Et si mes calculs sont bons, du 29 400, c'est ça? On va essayer. Voyons voir Symphonique Radiance. Est-ce que ça va faire du 29 400? Symphonique Radiance et boum. Et ça fait du. Oui. Oh, 29 500. Bon, oui, c'est parfait. On était bon. Hop là, est-ce que ça les fait des pop tout ça? Fortissimo, boum! On les dégage! Oh, le tempometteur là, il était pas mal, hein! Ah, mais attendez, mais c'est ça le tempometteur! Attendez, j'ai un truc autour de moi, c'est une dinguerie! Ça fait plus de dégâts! Ça fait beaucoup plus de dégâts, je crois! Ah ouais, le tempometteur il est pas mal! Ça augmente les dégâts, je crois! Ou alors je suis fou, je sais pas! Est-ce que je suis pas fou? Le tempometteur, est-ce que ça augmente les dégâts? Bah ouais, on fait beaucoup plus de. Bah oui!
Aïe! Moi je suis mort. Je comprends pas les gars, c'est quoi ce principe? C'est une dinguerie. Y'a moyen que ce soit ça, non? Avec le tempo metteur au max, est-ce qu'on fait plus de dégâts? C'est la question que je me pose. Et par contre, j'ai pas gagné énormément de maîtrise là. Va falloir m'expliquer un petit peu tout ça là. Attendez. Ça va pas se passer comme ça, moi je vous le dis. Bon, essayez la boule disco. Hop là, la boule disco, nickel. Tempo metteur. Hop là, on fait un petit coup de Rhapsody Note. Je sais pas si ça fait beaucoup plus de dégâts ou pas. En vrai, c'est dur à vérifier. Ok, on a toujours le tempo metteur au max. Et boum, petite boule disco. Ah bah voilà, là, ça me donne mes maîtrises là, hein, maintenant. Bah voilà. Maîtrise 135, c'est parfait. Et là, le fortissimo, il fait du 3400. Rhapsody Notes, 2500. Ok, ça a sûrement peut-être fait un peu plus de dégâts, oui, en effet. Tiens, prends-toi ta boule disco, toi. Ah bah oui, là, le tempometteur, il est au max, donc ça me fait un peu plus de dégâts aussi. Ça a fait 500 de plus de dégâts avec ça. Et avec ça, ça fait 3400. Ah ouais, c'est vénère. Non, si quand on a le tempometteur au max, c'est très très énervé, je crois. Hein. Boum, et on l'éteint avec la boule disco. Parfait, merci à tous. C'est la fête ici. Allez, venez par là, venez vous battre, vous. On va vous défoncer. Je veux la maîtrise 175, moi. Je veux savoir ce que c'est que le tempo prestissimo. Hop là, c'est la piste de danse. Hop là, boum. Ouah, ça les attèche super loin. Revenez là. Fortissimo pour toi. Allez, revenez. Là, ça va, on rigolait, les petites boules disco, allez, on fait la fête. On fait la Java le samedi soir, allez hop là, ça pompe l'up. Et c'est pompe l'up. Soirée pompe l'up, les petits loups. Oh là là, ok. Oh non, qu'est-ce que tu fais là, toi? Dégage. Fortissimo, vite, on se dépêche avant que l'autre il vous tue là. À ma place, j'ai pas confiance. Allez, petite soirée. Hop là, voilà, ça pull up. Non mais petite soirée tranquille. Hop là, lui, on lui fait bouffer ça en même temps. Hop là, fortissimo, boum. On prend nos maîtrises, les gars, on prend nos maîtrises. On a plus le temps, pas le temps. Hello, Bowdy. Oh, mais c'est un abonné, ça fait plaisir. Mais il est vénère, son skin de Katakuri là, par contre. Très très vénère quand même. C'est quoi ce skin de fou? Alors, par contre, je suis désolé, mais le devoir m'appelle, mon petit pote. Je dois défoncer ces cookie crafters qui terrorisent toute la ville. Je rigole, c'est juste pour avoir des maîtrises sur mon nouveau fruit. Allez, on l'aura bientôt là. Et moi, j'adore la petite discothèque, c'est vraiment stylé. Pouh. Ça a vraiment du flow en vrai. C'est une attaque, c'est plutôt original en vrai. C'est ça qui est cool. J'ai le tempo metteur au max. Ok, piste de danse. Boum, boum, boum. Ça danse ou pas? Ok. Ah là, on prend les maîtrises. Non mais lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce qu'il nous fait lui? Mais il est sérieux ou pas? Mais tu veux que je t'enclenche en fait? Le mec il fait le sympa, il fait le gentil abonné. Après il vient me taper en traître. Sale rat. Tiens, je vais te faire danser moi, tu vas voir. Vas-y, danse maintenant, danse. Bon allez, moi je veux la maîtrise 175. Il manque plus grand chose. Allez, tout le monde danse un petit coup. Allez, c'est parti. Oui, c'est la fête. On fesse toi. Kaboum. Ok. Allez, c'est reparti pour un petit tour de piste. Et boum, c'est bon, la maîtrise 175. Et on a le tempo prestissimo. Mais du coup, attendez, c'est une maîtrise de type F. Donc est-ce que ça va nous aider à nous déplacer? Oh, c'est incroyable. C'est si doux. Oh les gars, c'est si doux. Ça fait une petite mélodie et tout. C'est génial. Oh mais c'est merveilleux. Oh mais c'est trop bien. Oh le flow. Oh c'est si doux. C'est trop agréable. Et ça va vite en plus. On se déplace assez vite avec. T'es là, t'arrives dans les cieux avec une douce mélodie. Et tu viens t'imposer sur le dance floor. T'arrives et boum. Et par contre, la portée, elle est assez incroyable. Par contre, de la boule disco, en fait, j'ai vu ça en me battant contre le mec tout à l'heure. C'est une assez grosse dinguerie. Mais voilà, il a encore des pop. J'ai attaqué un mec, il a des pop. C'est fou. Regardez la portée de la boule disco. Je la mets là et regardez jusqu'où ça va, jusqu'au mec là-bas. Hein. C'est un truc de fou furieux. Bon, allez les gars, on a plus qu'à rush la maîtrise 250 pour avoir la glorious harmonie, les gars, et terminer ce fruit. On va le level up au max, le fruit de la musique, le fruit du son, le fruit de tout ce que vous voulez, le fruit le plus beau. Mais ça veut encore m'attaquer, mais c'est un truc de fou de faire ça. C'est un truc de malade de vouloir faire ça. Ça veut absolument m'attaquer. C'est un truc de fou de pas avoir de live comme ça. Les gars, on est arrivé à la maîtrise 247. Et c'est parti, normalement c'est les trois petits derniers qu'il me faut et boum, le dance floor. Et non les gars, regardez ce qui se passe. Regardez vraiment où ça s'est arrêté la maîtrise. Vraiment, c'est ça ma chance. C'est ça les gars. Et bah c'est pas grave, on va en défoncer à quelques-uns de plus. Voilà, fortissimo, boum, dans les chicots. Et c'est parti, vous voulez du dance floor? Et bah voilà du dance floor, let's go, je suis discosté où? Quelqu'un a un souci avec ça? Je vous mets des Rhapsody Notes dans la tronche, voilà, boum. Fortissimo. Et boum, c'est bon les gars, maîtrise supérieure. New skill available. On a débloqué le glorious harmony les gars. Je sais pas ce que ça va donner, vraiment. Déjà, petite boule disco, voilà, je finis cela. Et toi, dégage. Et cassez-vous. C'est un truc de fou. Je mets de la musique, le pouvoir de la musique, non? Bon, moi, je veux mettre la Glorious Harmony. Allez. Combien ça fait de dégâts, la Glorious Harmony? C'est quoi, la Glorious Harmony? Je sais même pas ce que c'est, les gars. Ok, Glorious Harmony, maîtrise V, la dernière. Voyons voir ce que ça fait. Oh, wow, pardon. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Attendez, c'est quoi ce délire? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé, là? On a fait quoi? Wow, what the fuck? Attendez, mais je fais une... C'est moi ou j'ai tapé la pause? Attendez, y'a trop de trucs bizarres là à vérifier. Attendez, on s'isole du monde un petit peu. C'est moi ou j'ai tapé la pause disco tout? Ok, là, donc là, on fait la pause disco. Et c'est moi ou à la fin, je retape encore une pause? Ah ouais, mais c'est stylé. C'est une dinguerie. Et par contre, la Glorious Harmony, je sais pas ce que c'est. Hein. Est-ce que je peux savoir combien ça fait de dégâts sur une seule personne? Ok, on l'envoie sur lui là-bas. Boum, boum. Ok, ça fait déjà 4000, 4800, 5000. Ok, 6000, 6300. Ok, c'est une attaque à 6300. Mais c'est extrêmement vénère, les gars. Ça, c'est une attaque qui est
peut marcher sur un groupe en plus. Attendez, faut qu'on teste ça. Venez à tous. Je vous convoque. Il faut qu'on voit si ça marche en attaque de groupe. C'est quand même plutôt vénère. Normalement, on devrait faire pas mal de dégâts. Ok, Glorious Harmony, est-ce que vous êtes prêts, les gars? On va la lancer depuis le ciel. Et c'est parti, boum, sur vous. Allez, hop là, boum. Vous allez prendre combien? Vous allez prendre tarif là, normalement, non? Oh oui, ça prend tarif. Hop là, 45 000. Et hop là, plus boule disco. Et en plus, regardez-moi ça, on va taper la pause. Oh yeah! Waouh! Ils sont tous arrivés derrière moi! Vous êtes fous, cassez-vous! Hop là, je me pars en tempo prestissimo! C'est bien stylé! Wouhou! On défonce tout le monde! Wouhou! Hop là, le pouvoir de la musique! C'est incroyable! Les amis, on a levé up au maximum le fruit du son! Et je crois que le tempo metteur là, du coup, ça augmente les dégâts! Hop là, tempo prestissimo! Ah, c'est stylé comme ça! On l'avait pas comme ça tout à l'heure parce qu'on avait le tempo metteur au max en fait! Ah oui, ça augmente la vitesse! Quand on a le tempo metteur au max, ça augmente la vitesse et ça change la couleur, d'accord! Sinon, c'est multicolore en fait de base! Et bah, les amis, attendez, avant de nous quitter, on veut quand même se remettre un Glorious Harmony. Boum, allez, sur toi, voilà, on prend, je veux admirer le spectacle. Le spectacle est magnifique. Et pourquoi il est là-bas, le spectacle? Je sais pas pourquoi il est parti là-bas. Wouh. En tout cas, les gars, c'est un des fruits les plus stylés, en vrai. Il est beaucoup trop fun. Non, franchement, là, Bloxroot, ils ont assuré. En ajoutant le mammouth et ce fruit-là, c'est quand même une sacrée dinguerie, ce qu'ils viennent de faire. Allez, Glorious Harmony pour toi, voilà, dans ta pomme. Boum, on fait tout péter. Vive le spectacle, le spectacle. Aujourd'hui, les amis, on va essayer d'obtenir la nouvelle soie de l'update numéro 20, les gars. Encore une vidéo pour la Blox Week, les amis. Une vidéo par jour minimum sur Bloxroot. J'espère que ça vous plaît cette petite semaine, parce qu'à moi ça me plaît beaucoup, les gars. Je kiffe. Il y a un vrai engouement là autour de Bloxroot et franchement je kiffe beaucoup. Mais les amis, avant qu'on parte à la chasse à la Shark Onshore, eh bien abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle, parce qu'on rush les 200 000 abonnés, les amis. Et j'ai confiance en vous. Bon alors les gars, pour avoir la nouvelle épée, c'est très simple. C'est très simple, pas tant que ça en vrai de vrai. Il faut se rendre ici, les amis. On va aller voir le petit Shark Hunter. Salut mon pote. Ça va être une mission avec beaucoup d'étapes, les gars. On arrive là, on lui parle. Salut mon petit pote. On va choisir de crafter. Et il faut qu'on crafte le Tooth Necklace. Donc là pour l'instant on a besoin de 5 dents de requin et une dent de requin d'un Terror Shark. Vous allez comprendre ce que c'est, les gars. Et après avoir fait ça, il faudra la Terror Joe, les amis. Donc il nous faudra un œil de Terror Shark, deux dents et des trucs de bateau fantôme. Bref les gars, ça va être compliqué. Et les amis, vous vous demandez où est-ce qu'on va trouver tout ça, ces petits artefacts? Eh bien les amis, c'est extrêmement simple. Il va falloir aller dans une des mers les plus dangereuses de tout Bloxroot, les amis. Une mer qui a été rajoutée, et oui. Et les amis, pour combattre là-bas, quoi de mieux que le fruit le plus puissant? Le fruit du magma, les gars. J'ai vu pas mal de youtubeurs jouer avec pour aller dans cette mer, et je pense que c'est une bonne option. Et au pire des cas, les gars, on switchera sur le Bouddha si je vois que c'est un peu trop galère. Salut mon pote, est-ce que tu peux me passer un joli petit bateau là? Il faut qu'on se taille. Qu'est-ce qu'on prend comme bateau, les gars? En vrai, on va prendre un gros bateau. Allez, c'est parti, on part avec ça. Il est pas ultra rapide, mais au moins on sera en sécurité. Il a plus de vie que tous les autres bateaux. Les amis, pour aller tout simplement dans cette nouvelle scie, les gars. Enfin, c'est pas une nouvelle scie, mais c'est en vrai un endroit qui n'était pas là avant. Il faut se barrer du Tiki Outpost et partir très loin vers l'horizon. Voilà, et là vous allez commencer à voir un petit peu des petits rochers, des petits récifs. Et il faut toujours continuer tout droit, les amis. Ok, c'est parti pour l'aventure. En avant. Et les gars, regardez à gauche, on peut voir que c'est marqué 0, les amis. 0, c'est le niveau de danger pour l'instant. Et plus on va avancer dans cette mer, plus il va augmenter. Là, on va déjà passer au prochain stade, les gars, au niveau 1. Pour l'instant, c'est encore un niveau de danger assez bas. On devrait pas rencontrer de créatures trop dangereuses. Mais en tout cas, pour l'instant, les amis, parce que là, c'est que le niveau 1. Et il y a 6 niveaux. Ah là là, en plus, c'est génial. Il y a le soleil qui se couche, les gars. C'est pas du tout stressant. J'adore naviguer sur la mer la nuit. Oh oui, ça va être sympa. Ok, on est passé au niveau 2 de dangerosité en plus. Ok, qu'est-ce que nous réservent les fonds marins? La lune se lève, le soleil se couche. Et moi, je flippe. Moi là, pour l'instant, je suis à la recherche de requins, les gars. J'ai besoin de 5 dents de requin et d'une dent d'un Terror Shark, les gars. Donc ça, c'est un maxi requin. À moitié un boss, quoi. Et on passe au niveau 3 de dangerosité. Le niveau est assez haut, selon le petit dangeromètre. Mais toujours rien à signaler à l'horizon. Ça me dit rien qui vaille. C'est beaucoup trop calme. Oh! Oh, what? Ok, on s'est fait agresser directement. Ok, donc c'est comme ça que ça nous spawn dessus, les gars. Donc là, c'est quoi? Attendez, c'est des piranhas, les gars. Là, on se fait attaquer par des piranhas. Et je crois qu'on doit. Aïe, wouhou! Ok, heureusement qu'on a un fruit puissant. Et il m'attaque, il va m'électrocuter. C'est des piranhas électriques. Courez! Et boum! Les piranhas. Ok, mais normalement, attendez. Aïe. Ok, boum! C'est bon, on les défonce. Et voilà, les gars. On a des petites Electric Wings. On gagne
regarder ça et ça va nous aider à craft normalement l'objet final qui nous permettra d'avoir la nouvelle sword, les gars. Je vous ai dit, c'est un truc avec beaucoup d'étapes, mais ça devrait le faire, les gars. Waouh, 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 on se fait attaquer! Qui attaque mon bateau? Vous êtes malade ou quoi? Cassez-vous de là! Dégage, dégage, je suis en train d'exploser. Mais non, mais ils s'en prennent à mon bateau, mais cassez-vous de là, vous! Dégagez! Là, 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 ils sont en train de défoncer mon bateau, ils sont en train de le pousser, mais vous êtes des fous! Oh, voilà, je vous explose! Je vais vous couler par le fond! Par le fond! Par le fond! C'est des fous furieux! Mais tu vas mourir, ouais! Allez là, voilà, c'est bon, ok, un de moins! Mais non! Attends, reviens là, toi! Reviens là, t'es le suivant! Voilà, toi, je te défonce, t'es le suivant, mon pote, et boum! Non, les gars! Non, ils ont cassé mon bateau! Mon bateau! Mon joli bateau! Où est parti mon bateau? Bah voilà, mais oh, voilà, seul en mer! Oh, c'est stylé, les gars, avec les bras en lave comme ça! Mais attendez, je me souvenais pas des bras en lave comme ça, c'est un bug! C'est une dinguerie, c'est trop stylé! Oh, les bras en lave, c'est trop vénère! Mais attendez, il y a un bateau là-bas! Mais attendez, je suis tout seul, je suis sur mon serf privé! Comment il peut y avoir un autre bateau là-bas? Il s'est TP, c'est le mien! De toute façon, on va voir, normalement, ils lui ont enlevé de la vie, on va voir si c'est lui! Est-ce que c'est mon bateau? Mais oui, c'est mon bateau, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Qui a volé mon bateau? Oh, les gars, c'est un petit bug, hein! Bon, ça arrive, hein. C'est la merde de tous les mystères! Des choses étranges se passent ici! Des choses inexplicables! What, c'est quoi ça? Attendez, les gars, on est arrivé! Attendez, il y a une île! C'est quoi cette île? Mais attendez, il y a v'là les coffres! Oh, la dinguerie! Oh, c'est une vraie île au trésor! Oh, c'est trop bien! Hop là, merci, mais merci beaucoup, on fait le plein, hein! Ça fait plaisir! Moi, je refuse pas, hein, des petits coffres comme ça, mais attendez, il y a des îles comme ça, random, où on peut trouver des coffres? Sympa! C'est pas mal, j'aime bien! Bon, là, les gars, on est au niveau quasi maximal de dangerosité! On est au niveau crazy, les gars, on est crazy! Ah ouais, voilà, c'est ça, il nous faut ça, les coffres! Oh, ça va pas la tête, hein, non, les gars! On se fait attaquer par des bateaux fantômes! Mais il faut les défoncer! On défonce les bateaux fantômes, les gars, ça va nous rapporter un matériau dont on a besoin! Oulala, là là. Oulala, là là, par contre, je me sens pas en confiance là, ils ont cassé mon bateau! Mon bateau! Non, il coule par le fond et je me fais attaquer! Je me fais attaquer par les piranhas! Oulala, là là, je le sens pas du tout! C'est pas bon cette histoire, ça sent pas bon! Non, les gars, on va agresser de tous les côtés! Et de la triche! De la triche! Allez, donnez-moi mes Electric Wings! Allez, boum! Ça dégage! Allez, hop là! Et bah voilà, là on est bien! Et par contre, je me retrouve tout seul en mer. J'ai plus de bateau, j'ai plus rien du tout. J'ai un peu peur. Peut-être que j'attende pour qu'il y ait des requins sur moi. Il y a des requins quelque part. Alors. Les gars, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a par-delà le niveau 6 de dangerosité, les amis. Parce que oui, on peut encore avancer, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà? J'en ai une petite idée, malheureusement, les amis. Et c'est terrifiant. Croyez-moi, dans la vraie vie, c'est le pire truc qui pourrait nous arriver. Regardez ça, tout devient extrêmement sombre. Voilà. Là, on est toujours sur la mer, les gars, mais on voit absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il y a un ennemi, voilà, si j'avais pas mon acquis de l'observation et qu'il y avait un ennemi, bah, je le verrais pas arriver. Me sauter à la gorge. Et j'aime pas du tout cet endroit, les gars. On est dans le niveau, carrément, le niveau de dangerosité, c'est des points d'interrogation. Bon bah, moi, je m'en vais de là, les gars. Voilà, je me casse. Ça va, on a réussi à collecter quand même pas mal de matériaux. Mais pas de dents de requin. On a des petites Electric Wings, un petit peu de matériaux de des trucs fantômes. Mais toujours pas de dents de requin, les gars. Ok, les gars, on est retourné dans le truc super sombre. Moi, je veux trouver des requins, les gars. Donc, j'ai pris un bateau un petit peu plus rapide. Et là, on est bien. Le Miracle. En vrai, il est trop stylé, ce bateau. Avec ses petites ailes et tout. Là, les gars, on est à la poursuite des requins. On va les chasser. Oh, ils vont spawn dessus, vous êtes malade ou quoi? Après, le truc qui est bien, c'est qu'avec ce bateau, j'ai juste à me barrer. Je peux fuir, je fuis. Oh, la petite île de tout à l'heure. Wow, salut. Je pensais pas vous retrouver ici, mais c'est encore une île random. C'est pas la même que tout à l'heure, parce que là, elle est dans le niveau 7, vraiment. Oh, oh, wow, c'est quoi ce délire? Attendez, quoi? Je me suis fait... Qui m'a frappé? Oh, mais c'est un truc de fou, les gars, je me fais cogner par la foudre. Attendez, il y a la foudre qui me cogne. Oh là 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 là, attendez, c'est une dinguerie, ça. Pourquoi je me prends un orage de fou? Eh, c'est des fous furieux. Je me casse. Aouh, mais attendez, mais quoi? Mais les gars, mais il me défonce l'orage. C'est un truc de fou, je peux pas l'esquiver. C'est de la folie. Aouh, waouh, ok, il faut vite que je me barre de là. Faut que je me barre de cet orage de fou. Aïe, mais ça me fait tomber de mon bateau carrément. Mais c'est des malades. Non, mais et c'est des fous ce qu'ils ont fait, Bloxfoot, là, les gars. C'est quoi cet océan de malheur? Mais les gars, j'arrive pas à retourner sur mon bateau. Arrêtez de me taper. Mais les gars, il y a NR qui m'en veut là. Il y a NR qui est en train de me foudroyer vraiment. Littéralement. Bon, je m'en vais. Attendez. Ils vont pas me taper là, les éclaircir. Aïe, mais les gars, mais ils me font perdre trop de vie. Mais c'est un truc de fou. Ils m'en veulent à mort. Wow, y a des requins. Oh la dinguerie. Oh, y a des requins. Ok, c'est ma chance, les gars. Il faut pas que je meure. Il faut que je défonce les requins. Ok, allez, on les fait bouffer. Oh oui, c'est bon. Shark tous. Non, je suis mort avant. Ok, c'est pas grave. J'ai ma première dent de requin, les gars. Oh là là, c'est stylé. Ok, bon, il m'en faut plus que 4 et une. Il manque quand même la. J'arrive plus à parler, les gars. Il m'a traumatisé cet océan. Mais les amis, je pense quand même que je vais appeler du renfort en vrai de vrai. Je vais avoir besoin d'une petite flopée d'abonnés. Il me semble. Je pense que c'est un très bon choix de les appeler à la rescousse. Ok, les gars, regardez ça, c'est bon, on a ramené v'là les abonnés avec nous. On va tous prendre des bateaux de fous furieux pour aller défoncer les charcos. Là, les gars, on va aller farm en balle. Vous avez juste à me suivre, les petits potes. Et on va aller tout défoncer. Bah, par contre, j'aimerais bien monter sur mon bateau, j'arrive pas, c'est super dur avec la lave. Hop là, voilà, c'est bon. Ok, toi, tu veux grimper avec moi? Allez, c'est parti, monte. On y va, les amis. C'est parti sur la mer de tous les dangers. Oh, les gars, mais on se fait déjà agresser par des piranhas. Mais dégagez là, dégagez. C'est un truc de fou. Ils ne veulent pas me lâcher la grappe. Et ils m'enlèvent trop de vie, c'est un truc de malade. Attendez, quoi? Oh,
Oh, Terror Shark! Terror Shark, les gars, je sais pas où il est! Attendez, j'ai... comme par hasard, ça arrive quand j'ai plus de vie et que je me fais défoncer par des piranhas! À l'aide! À l'aide! Ok, c'est bon, les piranhas me penchassent plus! Attendez, il est où le Terror Shark? Les gars, c'est un truc de fou! Je vois, il y a la barre de... Oh là là, on arrive dans la mer sombre! Ouh là 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 là! Il est où le Terror Shark? Je le vois même pas avec le haki de l'observation! Où est-il? Mais non, il a disparu! Mais non, mais les gars! Oh non, on a dû rater une occasion en or! Je sais pas où il était! C'est Ami qui l'avait spawn, mais introuvable! Oh non, et je me reprends les éclairs, la foudre de Zeus, mais cassez-vous là! Ok, mon informateur m'a dit qu'il y avait un Terror Shark vert, les abonnés là-bas, et je me fais agresser par des piranhas! Laissez-moi tranquille! Oh aïe aïe! Oh oui, Terror Shark! Ok, Red Boss! Ok, on lui enlève de la vie! Il est où? Attendez! Il faut que je le trouve! Où est-ce qu'il est? Ok, Terror Shark, il est là! On le désingue! Oui! Wow, mais c'est quoi ces attaques de fou, frère? C'est un truc de malade! Ok, faut le défoncer, il est énorme! Mon premier Terror Shark, mon pote! Allez, on te défonce! Oh là là, heureusement que le magma fait du quoi? Oh les gars, il m'a défoncé! Non, j'ai trop le seum pour une fois qu'on avait trouvé un! Mais non, j'ai trop le démon! Il faut vite que j'y retourne, les gars, il faut pas qu'il le tue! Il est à moi, le Terror Shark! Vite, les gars, je suis sur la route! J'arrive bientôt! Oh, c'est bon, les gars! Ils l'ont tué, mais du coup, j'ai quand même eu ma petite dent de requin de Terror Shark! Shark, let's go! Parfait ça les gars! Ça c'est nickel! Maintenant c'est l'heure d'aller craft le premier item les gars, le Tooth Necklace! Ok, c'est parfait! Salut mon pote, comment on se retrouve? Craft Tooth Necklace, c'est parfait les gars, on a exactement ce qu'il faut! Et boum! Ok, premier item de créer! Voyons voir, attendez, je veux le mettre, il est où? Où est-ce qu'il est? Mais il est où? Ah, il est là, ok, c'est parfait! Oh, stylé de fou! On l'équipe et regardez-moi! Oh là là, le flow les gars, là on a un vrai flow de chasseur de requins! Oh aïe aïe, c'est trop stylé! Et maintenant, le deuxième truc à craft, le Terror Joe. Donc, il nous faut un œil de Terror Shark. Donc là, ça va être un peu plus dur à choper. Deux dents de Terror Shark et des dents de requin. Ok, d'accord, c'est parfait, les gars. Il faut qu'on se mette au boulot. On a du taf, les gars. On va devenir les plus gros défenseurs de Shark de tout l'océan de Bloxfruit. Ok, les gars, on est arrivé sur un Terror Shark. Il a bientôt plus de vie. Il faut le défoncer. Oh là là, mais il est en train de défoncer tout le monde, par contre. C'est trop puissant. Il faut des attaques de fou malade. Allez, le Terror Shark, et c'est parfait. Mais oui, il nous donne un œil et une dent. Merci beaucoup, petit Shark. Ok, ça c'est parfait. Ça commence bien les gars, ça commence bien. Oh, c'est trop stylé. Regardez-moi ça les gars, la vue comme ça dans cet océan si dangereux. C'est beaucoup trop stylé. Regardez-moi ça, on part vers l'aventure. Oh là là, c'est une dinguerie. Ils ont vraiment bossé. Oh, avec les cibistes et tout derrière, le plan, il est trop beau. Non les gars, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Oh, il nous attaque. Canonnier, fumez-les. Oh là là, la dinguerie. Non, la Bloxfruit, ils ont vraiment fait un vrai truc vénère. L'ambiance de cette si dangereuse là, elle est incroyable. Je suis tombé à l'eau. Oh là là, OK. Bateau fantôme, il faut les défoncer, on a besoin de leurs matériaux également. On défonce les bateaux. Allez, go détruire ce bateau fantôme, les gars, tous dessus. J'ai besoin des matériaux qui regorgent. Allez, mon pote, t'as signé ton arrêt de mort, fallait pas t'attaquer à nos boats. Oh non, il a disparu, mais non, il a des pop. Ils ont explosé le bateau. Non. Oh là là, le trio piqueur de cibistes. Ah, il m'attaque, c'est trop stylé les gars. C'est beaucoup trop cool. Oh, les scènes elles sont incroyables, c'est vraiment un film d'action. Oh, c'est Sea of Thieves ou c'est Bloxfruit les gars. Les gars, je vous rappelle qu'on est sur un jeu Roblox quand même. C'est quand même une dinguerie. On se barre, ça devient dangereux par ici. On se casse, oh là là. Oh, le retour des bateaux fantômes. C'est l'heure d'aller défoncer le bateau fantôme. Il faut se venger. Boum, allez prenez ça les gars. Un torrent de lave sur vos tronches. Oh bah, ils ont encore des pop, pas de chance. Les gars, encore un Terror Shark sur nous. Je suis en train de naviguer mais il est derrière. Et c'est parti, c'est l'heure d'aller le défoncer. Je suis la terreur des Terror Shark maintenant. Kaboom! Oh là 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 là, les dégâts sont incroyables. On le défonce. Oh là là, mais les attaques. Et par contre, hey, il m'en veut personnellement. Il est où? Oh, aïe. Eh, c'est des combats de fous furieux, les gars. Les Terror Shark, ils sont beaucoup trop forts. Ils te viennent, ils te chopent, ils t'emmènent vers l'océan, ils te défoncent. Ok, il est où? Ok, c'est parfait. J'arrive à lui mettre pas mal de dégâts. Ça veut dire que même si je meurs, j'aurai mon dû. Oh là là, oh, j'ai tué un truc au hasard en plus. Oh là 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 là. Eh, il nous en veut personnellement, mais il me suit ce malade. Oh, mais c'est un truc de fou. Il m'attire vers lui. Là, il fait fuir. Ok, il faut prendre de la hauteur. On prend de la hauteur. Il est où? Ok, il est là. Tiens mon pote, mange-toi ça. Là là là, il nous a tué. Mais c'est pas grave les gars, normalement on va devoir avoir les récompenses. Et c'est bon les amis, la dent du Terror Shark, merci beaucoup. Mais là je me demande, normalement on peut le crafter là. C'est bon, la Terror Joe, on peut la crafter en vrai de vrai. Ok, Shark Hunter mon pote. Terror Joe, est-ce qu'on a tout? On a tout les amis, on a tout. On crafte la Terror Joe et les amis, vous allez voir l'item qui nous manque maintenant. Hop, il va s'afficher que maintenant normalement. Craft, et maintenant il nous faut le Monster Magnet les gars. Là ça va être galère.
Il va nous falloir deux yeux de Terror Shark et c'est super dur à avoir, les gars. Et sinon, bah, des Electric Wings, des trucs de bateau fantôme et des dents de requin. Ça va. Et une fois qu'on aura le Monster Magnet, les gars, ça va être un peu plus simple d'avoir l'épée. La nouvelle Sword, la Shark on Shore, même si elle a 1% de chance de drop, les gars. Donc déjà, ça fait je sais pas combien d'heures qu'on est dessus. Et là, ça va être encore plus long. Ça va être incroyable. Les gars, j'ai deux Terror Shark sur moi. J'en ai deux. Les gars, ils sont en train de me défoncer. C'est une dinguerie, les gars. Ils sont deux. Je vais essayer de bien les voir. Regardez, ils sont là, les deux. Ils sont en train de se moucou mutuellement. C'est une dinguerie. Et boum. Ok, il faut que j'arrive à les défoncer. Ah là là, non, mais les gars, les deux, ils enchaînent leurs attaques sur moi. Mais c'est impossible pour moi. C'est impossible de les défoncer. Et il y a des piranhas en plus. Mais je les me fais moucou par des piranhas. Oh, ça devient si dur. Salut, mon pote, les Terror Shark. Allez, c'est parti pour le défoncer. On y retourne, les gars. Cette fois, on a pris Bouddha. Parce que le magma, c'était trop galère. Là, au moins, Bouddha, c'est un peu plus simple. Je peux faire mes petites attaques à l'épée à distance. C'est beaucoup plus pratique. Et on va le schlass. Je vais en faire du sushi de ce requin, moi, tu vas voir. Allez, boum, voilà, nickel. Et c'est parfait. Un Terror Eye et une petite dent, ça fait plaisir. Le plus gros item qui nous manque là maintenant, c'est un Terror Eye. Il nous en faut un autre. Allez, peut-être que c'est toi qui va nous donner le Terror Eye. Oh, petit Terror Shark, viens là. Non, on a eu qu'une dent de requin, on n'a pas eu le Terror Eye. C'est pas grave, les gars. On abandonne pas pour autant. Oh, les gars, j'ai gagné haut de la page. Attendez, j'ai gagné un truc. J'ai défoncé un cibiste et j'ai gagné un truc. C'est quoi? Attendez, je m'en vais parce que là, il y a tout qui me tombe dessus. Haut de la page, c'est quoi ça? Oh, stylé. Oh, le chapeau de sabot. Oh, une dinguerie. Oh, let's go. Ça fait plaisir. Je savais même pas que c'était comme ça qu'on pouvait l'obtenir. Et bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Oh, mais quoi? Oh non, les gars. Il y a un message de reboot de serve. Mais non, mais comme par hasard, les gars, ça fait. Mais quoi? Non, les gars, va y avoir un shutdown des serves. Mais j'ai pas de chance, les gars. Ça fait déjà 5 heures qu'on est dessus. J'ai pas de chance. C'est abusé. Bon, mais il va falloir attendre que les serveurs reboot. Oh là là, les gars, on se prend tout. On se prend les Terror Shark, les Cibis. C'est du grand n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Ah non, ça va, le Cibis, il est avec nous. Ok, ça va. Il est en train d'attaquer le Terror Shark. C'est parfait, ça. Merci beaucoup. Putain, ça, c'est une dinguerie. J'aimerais tellement savoir faire ça, invoquer des Cibis. Je sais pas comment on fait, les gars. Bon, allez, je vais joindre la bataille. Allez, boum. Mais il y en a deux. Attendez, mais il y a deux Terror Shark en fait. J'avais pas capté. Mais il y en a deux. Du sushi. Du requin tartare, moi, tu vas voir. Allez, ouragan, on les défonce, ok. On leur enlève beaucoup de vie, c'est pas mal. Avec un peu de chance, on aura le Terror Eye sur le 1-2. Ok, ça perd beaucoup de vie. Allez, on le coupe, voilà. Aïe, 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 aïe. Oh, mais leurs attaques, elles sont folles au Terror Shark. Elles sont folles, leurs attaques. C'est une assez grosse dinguerie quand même. Allez, lui, il a plus de vie. Lui, on le défonce. On le cut, il a plus de vie. Viens là. Oh, il est en train de se débattre. Oh, il nous balance ses attaques tant bien que mal. Allez, oui, let's go. Oh, parfait, les gars. On a défoncé le Terror Shark en bonne et due forme. Et en plus, on a l'œil. Et on a un nouveau titre, les amis. Le Terror Bringer. C'est moi maintenant. Et je repars. Voilà. Ok, salut mon pote, tu vas me donner le Monster Magnet et plus vite que ça s'il te plaît. On a tout ce qu'il nous faut. Oh là là, let's go, enfin. On le craft et c'est parfait. Et les amis, normalement avec ça, quand on tuerait un Terror Shark, on aura une chance sur 100 de drop la Shark on Shore. Donc c'est à dire la nouvelle épée. Et pour l'instant on a juste, voilà. Oh là là, il est stylé, c'est un item mythique quand même les gars. Un peu de respect, du respect sur le magnet. Allez c'est parti, on repart à la quête du Shark. Oh là là les gars, attendez, j'ai très peur. Parce que là on vient d'arriver, les gars, dites-vous. Je le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que c'est le premier Terror Shark qu'on croise depuis que j'ai le magnet. Et il a beaucoup plus de vie que les autres. Il a une barre de vie à 195 000, alors que les autres sont à 150 000. Et c'est peut-être lui qui va nous la drop, les gars. Si on pouvait l'avoir du premier coup, ce serait un truc de fou furieux. Les gars, dites-vous, une chance sur 100. Si on l'a du premier coup, c'est du jamais vu, les gars. Par contre, il faut redoubler d'efforts pour le défoncer, les gars, par contre. Parce qu'il a beaucoup plus de vie. Allez, mon pote, t'es foutu. Ok, je prends un peu de recul. Oh là là, on est tous sur lui. Merci à tous les abonnés qui m'aident, c'est trop bien. Équipage de fou furieux, les gars, je vous l'ai dit. Oh là 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 là, allez, on le défonce, il est à moins de la moitié de sa vie. Il s'en prend de tous les côtés. C'est bientôt fini pour toi, Terror Shark. T'es foutu. Je sais pas s'il faut que ce soit moi qui le finisse. Mais dans le doute, je vais lui courir dessus. Oh non, c'est bon, les gars, c'est bon. On la drop, la Shark on Shore. Oh, mais les gars, du premier coup, c'est un truc de fou. Une chance sur 100 et je l'ai au premier coup. C'est une dinguerie. Waouh, attendez, elle est où? Ok, dans les épées, elle est où? Elle est là. Oh là 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 là, la dinguerie, on l'a, les gars. Oh, je peux pas l'équiper en plein combat, d'accord. Autant pour moi. Oh là là, attendez. Faut quand même que je les prévienne quand même. Aïe 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 aïe, je l'ai eu du premier coup, les gars. Nous, on pensait que ça allait durer une éternité parce qu'une chance sur 100, c'est quand même super dur. Et là, on l'a eu vraiment au bout de 15 minutes après le magnet. C'est parfait. Oh là 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 là, regardez-moi ce flot de zinzin. Elle est incroyable. Elle est beaucoup trop belle, c'est une dinguerie. Oh là là, là, ça fait vraiment chasseur de requins. Attendez, voyons voir ce qu'elle donne en énorme. Oh là là, regardez. J'ai trop de flot. C'est trop stylé, les gars. Comme ça, en Bouddha dans la mer. Il pleut et tout, et j'ai la Shark on Shore. Elle est incroyable. Avec sa chaîne et tout qui pend au bout, c'est incroyable. Mais allez-y, attaquez-moi, j'en ai rien à faire. Je suis le défenseur de trio piqueur là. Le défenseur de cibiste. Attendez, il faut qu'on teste combien elle fait de dégâts. Mais
je crois que ça marche pas quand on tape sur les cibistes. Ouais non, juste taper ça marche pas, y'a que les grosses attaques qui fonctionnent. Oh là 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 là, le pourfendeur de monstre des mers, c'est moi. Attendez, mais c'est quoi ce délire? Y'a quelqu'un qui a garé son bateau sur mon bateau. Mais je ressemble à un parking, espèce de fou furieux. Allez, bon bah on le laisse là, vas-y, c'est pas grave. C'est un membre de l'équipage maintenant ce bateau. Aïe aïe aïe, c'est trop stylé les gars. Ah ouais, avec les lueurs bleues et tout. Oh ça tue, regardez-moi ça comment c'est magnifique. Elle défonce. Elle a trop de style les gars, beaucoup trop de style. Mais les gars, maintenant du coup, vu qu'on l'a, il va falloir qu'on aille augmenter ses maîtrises. Et oui, j'ai quand même envie de voir ce qu'elle vaut. À la base la vidéo, c'est quand même pour la voir et la tester. Le flow de l'équipage les gars, le flow de l'équipage. Attendez les gars, parce qu'il y a quand même un fruit qui a spawn. On n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes les amis, avant d'aller augmenter les maîtrises de la Shark Onshore les gars, on va aller tout de suite choper un petit fruit qui est là-bas. Je le vois en plus, il est au pied d'un arbre pour changer. Et voyons voir, on a le droit à quel fruit? Et c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de la fumée ça? Oh là là, il est stylé, le rework est stylé, j'aime bien. Je kiffe trop les petites animations qu'ils ont faites. Y'en a qui aiment pas du tout les fruits. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en vrai. Bon bah ça c'est fait, on a plus qu'à aller augmenter les maîtrises les gars. Et on va aller directement à la terre de gâteau les gars, on va directement pas perdre de temps, on va l'augmenter sur les cookie crafters. Et bien sûr on va prendre le Bouddha parce que pour farm c'est le meilleur truc. Ok, salut les petits loups. Ok, fait combien de dégâts? Il fait du 2200 je crois. Attendez, parce que c'est vrai que je l'ai pas encore utilisé. Attendez, on va essayer. Venez là déjà, on va augmenter les maîtrises tranquillement. Il fait du combien de dégâts du coup? Alors attendez, ah mais là ça en tape plusieurs, ça en tape beaucoup. Bon bah c'est pas grave, attendez, on les défonce déjà, on va augmenter les maîtrises. Merci beaucoup à tous. Oh oui, ça va assez vite. 110 maîtrises déjà, mais merci, c'est parfait. Oh là là, elle a l'air assez violente quand même. Elle a l'air assez violente. Mais attendez, j'ai quand même envie d'aller voir combien elle fait au coup par coup. Ok, on va taper lui. Ok, fait du 2336. Ok, c'est parfait. Et si on met le haki? Attendez, peut-être qu'elle fait plus de dégâts avec le haki. Elle fait 2700. Ok, parfait. Elle fait plus de dégâts avec le haki du coup. Et là, enfin, c'est flagrant. Des fois, c'est pas flagrant. Des fois, c'est comme ça. Bon, bah parfait. Bah, on garde le haki du coup. Allez, vous aussi, vous allez me faire monter mes maîtrises, les petits loups. Vous êtes pas des cookie crafters, mais on vous aime bien quand même. Allez, ça mange sa Shark Onshore. Et boum. Allez, on va débloquer la première maîtrise, le Typhoon Toss. Attendez, les gars, on peut vraiment avoir du style si juste on marche. Attendez, regardez, en mode cinématique, juste on marche avec la truc. Regardez, oh là là, juste on marche avec. Oh, on dirait un géant, les gars. Un géant de Elbaf. Trop de flow. On dirait que je pars en guerre comme ça au ralenti. C'est beaucoup trop stylé. Bon, allez, venez là, vous. Vous allez me donner ma première maîtrise. Je veux le Typhoon Toss. Et du coup, j'imagine que ça va être des attaques liées à la mer. Hein. Oui, évidemment, je pense. Ok, c'est parfait. Maîtrise 150, pile poil. Nickel. On le débloque. Première maîtrise, les gars. Première habilité. Voyons voir ce que ça fait. Attendez. On va essayer la terreur jaune. Je l'avais pas essayé tout à l'heure. Ça fait quoi? Ça me fait des petites cornes. Bah oui, du coup, vu que j'ai une barbe, on la voit pas trop, du coup. C'est un petit flow, c'est un petit truc en plus. Allez, on remet le chapeau de sabot. Il a trop de style. Un petit chapeau haut de forme. Bon, voyons voir le Typhoon Toss maintenant. Et boum, ok, ça fait... Ouah, attendez, quoi? Non, elle fait pas du 9000 de dégâts, non, j'ai tapé quelqu'un d'autre. Mais attendez, mais c'est incroyable. Elle est beaucoup trop belle, les gars, l'animation. Attendez, il faut que j'essaye sur un seul mec. Attendez. On va faire un petit groupe, là, parce que ça, c'est clairement une attaque de groupe, les gars, le Typhoon Toss. Ok, Shark on Sword. Oh là là, Typhoon Toss. Oh, c'est beaucoup trop stylé. Oh, il y a une Shark on Sword qui est là, ok. C'est beaucoup trop classe, les gars. Une encre de bateau, voilà ce que c'est que mon arme. Et elle est incroyable. Oh là là, c'est insane les dégâts qu'elle fait. Mais attendez, du coup, elle fait combien de dégâts Je sais pas combien elle fait de dégâts individuellement, les gars. Aïe, 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 on les chope tous, en fait. On les chope tous, et ça les défonce. Oh, j'aime beaucoup trop. Elle a beaucoup trop de flow. Et il y a une énorme Shark on Shore qui est là aussi. C'est beaucoup trop stylé. Les gars, elle est beaucoup trop vénère, cette arme. C'est un truc de fou furieux. Mais attendez, je suis curieux. Elle fait combien de dégâts à une seule personne? Voyons voir ça. Ok, 4482, ok, donc c'est quasiment du 4500. Et attendez, j'avais pas mis mon haki en plus. Aïe, ça terrasse tout sur son passage. Ok les gars, j'ai réussi à monter les maîtrises jusqu'au niveau 347 de la Shark Onshore. Et là on va voir ce que ça donne les gars. Là on va voir ce que ça donne, le Armor Breaker, la maîtrise à 350. Ça peut être assez fou les gars. Allez, on les défonce tous, donnez-moi mes maîtrises les petits loups. Ok, on va quand même les terminer avec le Typhoon Toss. On les a pas tous eu, il m'en manque un petit peu. Allez, boum. Et voilà. Non, les gars, il me manque vraiment un tout petit peu. Plus que quelques petites XP, les gars. Et puis c'est bon, on a la maîtrise 350, le Armor Breaker. J'ai très hâte de voir ce que ça vaut, les gars. Ok, on va juste terminer lui. Allez, mon pote, tu viens par ici. Hop, là, on te défonce évidemment avec le Typhoon Toss et New Skill Available. C'est parfait, les gars. On a enfin le Armor Breaker. Et voyons voir ce que ça fait. Ok, donc là, on charge l'attaque et ok, d'accord. Je m'attendais à un truc un peu plus grandiose. On va voir ce que ça donne sur un ennemi, les gars. Attendez. Pour l'instant, en vrai, l'animation, elle est cool, mais j'ai envie de voir ce que ça fait sur un ennemi. Armor Breaker, ok. Tiens-toi prêt, mon pote. C'est parti. Et boum, on le chlasse. C'est quand même une attaque à 4400, ok. Donc en fait, ça nous rush sur les ennemis. Ça leur fout un gros coup d'épée. Ça les monte en l'air. Mais est-ce que ça marche sur plusieurs ennemis? C'est ça la question. Attendez. Armor Breaker. Sur vous deux, est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche sur les deux, d'accord. Ça fait une petite attaque de groupe aussi. C'est pas mal. Mais les gars, au niveau du style des attaques, j'aurais vu l'inverse en fait. J'aurais fait l'Armor Breaker en première maîtrise et le Typhoon Toss en deuxième. Parce que je sais pas, la Typhoon Toss, elle est beaucoup plus impressionnante. Ah oui, même si on les
les prend un peu tous dans notre truc quand même. Mais au niveau de, je sais pas, de l'envergure de l'attaque, la Tifontos elle est quand même très vénère. Je l'aurais vu en deuxième maîtrise. En tout cas en maîtrise à 350. Après vous me direz là ça change rien du tout. Mais je sais pas, je l'aurais vu en attaque X en vrai. Bon, attendez, il faut quand même qu'on essaye ça avec le Bouddha. Attendez, on va essayer ça. Est-ce que ça va marcher sur tout le monde? Le Armor Breaker. Voyons voir ça les gars. Armor Breaker. Ah oui, ça marche bien. Bon du coup on a pas trop vu l'attaque parce que je suis en géant Bouddha, mais ça marche sur tout le monde en tout cas. Et c'est bon à savoir. Oh là là, c'est trop stylé. Armor Breaker, on arrive du ciel, on les défonce et boum, Tifontos. C'est stylé les gars, c'est stylé de fou. Non, cette épée, elle a beaucoup trop de flow. C'est une super épée qu'ils ont rajoutée. Enfin, c'est même pas une épée les gars, on va appeler ça une encre de bateau, une hache. Appelez ça comme vous voulez les gars. C'est la Shark Onshore. Et c'est plus une encre de bateau quand même. C'est ça le style du truc aussi. Bon, en tout cas les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je la trouve incroyable. En plus, surtout qu'on a vraiment beaucoup bossé pour l'avoir les gars. J'ai passé peut-être aller 6-7 heures sur cette vidéo pour réussir à tout avoir, tous les items pour enfin débloquer la Shark Onshore. Aujourd'hui les amis, on a réuni un sacré équipage pour aller affronter le Léviathan les amis. Et oui, avec la Shark Onshore, regardez ça, on l'a débloqué. Et regardez-moi ce petit équipage derrière nous. Est-ce que vous êtes chauds les gars? Ouais, ils sont chauds de fou. Oh là là les gars, ça va être incroyable. Le nouveau boss exceptionnel de l'update numéro 20, le Léviathan. Et on va aller le défoncer les gars, tout simplement. Mais c'est pas si simple que ça les gars. Attendez, déjà il faut que j'accepte tout le monde en allié, parce qu'il y a plusieurs conditions à respecter. Je crois qu'il faut être au moins 5 alliés, 5 sur un bateau pour pouvoir affronter le Léviathan. Du moins on doit trouver au moins son île, parce qu'il se cache dans l'endroit le plus dangereux de la mer. Il nous faut ça et surtout le Monster Magnet aussi qu'on a débloqué. Voilà, en même temps qu'on a débloqué la Shark Onshore en tuant des Terror Sharks. Et ensuite on va aller parler au petit spy. Hop là machin, nanana, Sailess. Ok, et on va devoir payer v'là les fragments les gars. Je sais plus combien de fois il faut que je paye des fragments, mais en tout cas ça va, il nous en reste un petit peu jusqu'à temps qu'ils nous disent que le Léviathan est là. Ok, donc là ça me dit qu'il y a des citoyens qui ont entendu quelques petits trucs. Ok, d'accord mon pote. En attendant il est en train de me dérober tous mes fragments le frérot. Et ok, il y a encore des citoyens. Ok machin, allez peut-être que là ça va être bon. Ok, c'est un peu tranquille dehors, c'est un peu étrange. Ok d'accord. Et là Sailess. Ok, ailleurs de been chill. Ok, donc c'est encore chill. Ok, on va quand même s'acheter des petits fragments les gars. Il va falloir qu'on fasse le plein. Acheter, nickel. On en prend 10 000, voilà. Bon ça fait 1000 robux, mais au moins on a 10 000 fragments, on est bien. Allez, là normalement on devrait avoir assez pour avoir la quête du Léviathan, non monsieur? Ok, attendez, quoi, il a dit quoi? Ok, ok. Oh, downright freezing. Ok, d'accord, donc la température est en train de descendre. Et qu'est-ce qu'il y a avec ces étranges ominous clouds? Je sais pas ce que ça veut dire ominous. Ok, d'accord, quelque chose se passe. Donc il y a quelque chose qui se passe, ça se voit avec les nuages. Il commence à faire froid les gars, et souvenez-vous, il nous avait raconté l'histoire que c'était un Léviathan qui venait d'un monde super froid et tout. Donc ça veut dire vraiment que the Léviathan is out there. Ça veut dire que le Léviathan est là maintenant. Allez le trouver avant qu'il ne cause beaucoup plus de destruction. Est-ce que vous êtes chaud l'équipage? On va partir à la chasse au Léviathan. Ah, let's go. Ça c'est parfait, donc je pense qu'on va tous se mettre dans le même bateau les gars. Allez c'est parti, en avant. Let's go. Ça se voit en plus là du coup. Et du coup ça nous met qu'on est 12 les gars. On est 12 dans l'équipage, regardez-moi ça. Ah, on est 11 maintenant, d'accord, ça vient de changer. Allez c'est parti, on va devoir se rendre jusqu'au niveau le plus dangereux de la mer pour trouver l'île du Léviathan les amis. Une île où il fait froid. Et normalement avec les cracks qu'on a avec nous, on devrait pas avoir de soucis. En théorie les gars, je dis bien en théorie. Par contre je sais vraiment pas combien de temps on va mettre à chercher les gars, parce que ça c'est une épreuve qui peut être de longue haleine. Et oui, vu que personne ne sait où va spawn cette île, on va quand même se mettre en Bouddha hein. Voilà, on se tient prêt à la bagarre quand même, on ne sait jamais. Mais les gars, j'ai vu quelques images hein, du Léviathan, et c'est fou à quel point le jeu il prend une toute autre tournure les gars. On dirait même plus un jeu Roblox. Même l'ancien Blox Fruit, ça porte un truc en plus les gars, ça nous TP dans un endroit et tout, c'est autre chose quoi, c'est un truc de fou furieux. Voilà, par contre le bateau il bug un petit peu là les petits potes là. Pourquoi on fait du surplace les gars? Y a un souci. On fait du surplace, ça lag. Oh là, je crois que le mec qui conduit il lag un petit peu. Il va falloir changer de capitaine là les gars. Je vais peut-être aller au gouvernail, non? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive les gars là? Attendez. Ok ça va, c'est Melperne qui conduit. Ouh là 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 là, tout doux Melperne. Ah oui bah Melperne il a appuyé sur le champignon. Allez, je prends la barre les amis. En avant. Allez, on est toujours au niveau 0 là, il va falloir se bouger un petit peu, qu'on aille un peu plus vite. Y en a un qui est tombé. Mais non, essayez de revenir. Oh, on doit attendre. Mais les gars, essayez de pas tomber du bateau s'il vous plaît les gars, parce que là on doit tracer. C'est super long en fait d'aller au dernier niveau en vrai de vrai. Surtout avec ce bateau, il est super lent. En plus les gars, on a perdu des membres de l'équipage, on est plus que 9. Qu'est-ce qui se passe? Bon les gars, on a eu quelques petits soucis, on a dû changer de bateau, mais au moins là on est bien. On est 8 et oh. Ok, une flotte sur nous. On se barre les gars, on s'en fiche du danger, on se barre. Wow. Ok, ça nous pète dessus. Ils essayent de nous exploser, vite, il faut qu'on se barre le plus rapidement possible. Les gars là, il faut vraiment qu'on s'attarde pas du tout sur le danger. Les flottes qui nous attaquent, les cibistes.
on se casse, les gars. On se barre, là, c'est direction le Léviathan. Les autres, le menu fretin, on en a rien à faire. Oh là là, ok, on arrive déjà dans les mers où ça commence à nous mettre des éclairs sur la tronche. Là, c'est vraiment Sea of Thieves, les gars. Là, c'est vraiment les tempêtes des mers. Ok, ça va, on devrait esquiver plutôt bien les petits éclairs. J'espère qu'ils vont pas commencer à nous péter le bateau. Oh là là, mais non, il y en a un qui a sauté. Bah écoute, frérot, vole. Vole, reste dans les éclairs, on peut pas s'arrêter. Allez, viens, on rigole, c'est bon. Mais t'es un homme poisson en plus, tu peux nager. Ça se trouve, tu nages plus vite que le bateau, frérot. Bon, les amis, on est arrivé au niveau crazy de la scie la plus dangereuse. Et là, on va devoir continuer d'avancer, les gars. On va aller dans le bresson, on va aller dans le fog, on va aller dans les ténèbres, les amis. Les ténèbres de Bloxfruit. Et oh, salut mon pote, on t'esquive. Hop là, excuse-nous. On se barre, voilà, tirez-lui des boulets de canon. Mais non, mais les gars, partez pas sur lui, ça sert à rien. Oh non. Oh là là, et il nous guette, hein. Oh le cibiste, oh il nous en veut. Oh, il commence à péter la carlingue. Voilà, on est plus que 6 à bord. On est plus que 6. On a perdu du monde. Allez, venez. Ok, c'est bon. Allez, montez les petits loups, montez. Voilà. Parce que là, dans quelques instants, on va plus rigoler. Oh non, mais ils abusent, c'est bon sur les cibistes. Ça va, tout doux. Les gars, on reste tous sur le bateau, les gars. On reste tous sur le bateau, juste on se casse. Et là, les amis, ok, on rentre dans les ténèbres. Ça, c'est une dinguerie. Oh, il y a des sharks. On se tire. On essaye d'esquiver les sharks. J'espère qu'on est assez rapide pour les esquiver, les petits sharks. Ouh là là, on se prend des flottes de fantômes de fous. Et là, les amis, sachez qu'on est à l'aveugle. Là, il n'y a pas d'autre solution. On est à l'aveugle. On a qu'à aller tout droit. Au pire, on va tout droit vers je sais pas où. Je sais pas si la mer de Bloxfruit a une limite ou pas. Oh, un Terror Shark, allez. Bon, ça aurait été hier, je vous aurais dit trop cool, on va pouvoir le défoncer, mais là, on s'en fiche des Terror Shark, on a déjà eu tout ce qu'on voulait. Maintenant, l'objectif, c'est le niveau au-dessus, le Léviathan, les amis. Le Léviathan plus que nous. Excellente blague. Voilà, abonnez-vous. Non mais les gars, par contre c'est une dinguerie, on va jamais la trouver en vrai de vrai. C'est une chance sur combien là pour la trouver en termes de stats? Si on parle en statistiques, en proba là, c'est une chance sur combien? Oh là là, en plus impossible de se repérer ici les gars, impossible. Le seul repère que j'ai c'est la lune. Je suis un aventurier de la lune. Oh, tant qu'il y a des requins, c'est la bonne direction non? C'est le mec qui voit des signes partout. S'il y a des requins, c'est que c'est par là les gars. Ouais, sûr, 100% sûr. Par contre ils commencent à péter la carlingue là, il faut se tout doux les requins, tout doux. Ok, le soleil se lève, on y voit déjà un peu plus clair les gars. Si on doit voir une île à l'horizon, on la verra. C'est un peu plus simple que de nuit. Oh là là, par contre le jeu est beau, hein. Le jeu est beau de fou comme ça. Je sais pas, y a un délire, y a une atmosphère stylée. Oh là là, oh là, ouais, mais on se prend le tonnerre de Zeus là. Laisse-nous tranquille, Ener. Ener, est-ce que tu peux nous laisser tranquille, mon pote? S'il te plaît, ce serait très aimable de ta part. Il est pas content là, il est sur la lune et il nous envoie des éclairs. Ah voilà. Oh, une île. Oh la dinguerie. Attendez quoi? C'est pas l'île qu'on recherche, hein, les gars. C'est pas du tout l'île qu'on recherche, mais c'est une petite île comme ça. Ok, stylé. Petite île de sable. Oh là là, oh là là, oh là là. On se fait défoncer. Oh non, ils ont explosé le truc. Oh là 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 là. Oh, il faut vite qu'on se barre. On se casse, les gars. On se taille. Allez, ciao. Là, les gars, faut vite qu'on se barre. On est pourchassé par une flotte fantôme de fous furieux. C'est n'importe quoi. Oh là là. Et en même temps, on a perdu quelques membres de l'équipage. Il y en a qui restent un peu à la mer. Je sais pas du tout où ils sont, les gars. Ok, c'est bon, vas-y, ils nous rejoignent. Ok, Dougito nous a rejoint. C'est bon. Oh mais les gars, mais c'est... Oh mais on est coincé contre des rochers et tout. Mais les gars, mais je comprends pas ce qui... Et on se prend la mer explosive. Mais non. Les gars, là, il y a tout qui nous enchaîne. Le jeu ne veut pas qu'on trouve cette île, les gars. C'est une dinguerie. Il ne veut pas qu'on combatte le Léviathan. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. C'est super dur. En vrai, c'est super cool qu'ils aient rajouté ça. Ça met un peu de difficulté. Ah, une flotte de fous. Vite, on esquive. Mais les gars, le jeu veut pas nous laisser jouer. C'est une dinguerie. Le nombre d'obstacles qui nous mettent sur la route, c'est une folie, les gars. J'en peux plus. Quoi? Les gars, c'est l'île, elle est là. Oui. Les gars, on a trouvé l'île de Léviathan. Oh, c'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. On peut parler au... Oh, ça lance la cinématique. Oh là là, regardez-moi ça, le Léviathan. Oh là là. C'est un truc de fou furieux, il est trop stylé. Ok les gars, on va devoir le défoncer, mais c'est une dinguerie. Oh, il est immense. Oh là là, attendez. Oh là là, attendez. Ça m'a déjà enlevé de la vie. Oh, c'est une dinguerie les gars, attendez, je prends du... Waouh, il m'a mis... Mais quoi les gars, il m'a déjà mis mid-life. Ça va être impossible, mais attendez, on est où là? On est où? C'est quoi cette dinguerie? Oh, le Léviathan, il est tout là-bas, mais il est gigantesque. Oh la folie les gars, bombardez de likes pour ça les gars. Oh ça va, en vrai on a pas mis tant de temps que ça à le trouver, mais c'est une dinguerie. Attendez, il est où? Je galère, je vois rien les gars, c'est trop blanc. Je ne vois rien. Où est le Léviathan? Ok, il est là, parfait, faut aller le défoncer. Alors attendez, pourquoi il a deux barres de vie déjà? Ok, faut peut-être attaquer ces endroits là d'abord. Avant d'attaquer la tête, je pense qu'il a des parties qu'il faut attaquer. Et surtout ça... Oh là là, mais il me transforme en glaçon. C'est une dinguerie, il a le fruit de la glace ou quoi ce malade? C'est un truc de fou. Non mais les gars, il faut que Bloxfruit fasse ça, mais avec tous les trucs, genre le feu, la lave et tout. Il faudrait des Léviathans de feu. Là on a le Léviathan de glace déjà, c'est incroyablement stylé. Allez, on le défonce, on peut cogner. Oh non, c'est vrai que là... Oh non, c'est vrai qu'en Bouddha ça marche pas les coups d'épée sur les cibistes. Parce que ça reste quand même un cibiste les gars, ça abrite un maxi boss. Oh là là, 1 million de vie là. Il a 1 million de vie.
C'est un truc de fou, ok. Donc c'est sur ça, c'est sur ces bouts de corps là que ça marche. Les attaques, c'est parfait. En plus, on est armé de la Shark on Shore, les gars, on va le défoncer. Oh, il est immense. Oh là là, c'est quoi? Attendez, il y a un mur invisible. Il y a un mur invisible. À l'aide. Attendez, il y a une zone de fight en fait. Ok, on peut pas fuir, les gars. On est face à notre destin. Allez, on le défonce, on le défonce. On lui met plein les dégâts. Oh, c'est tellement dommage que je puisse pas le taper comme ça en Bouddha, ça aurait été tellement pratique. Allez, on va faire du boom boom. Allez, boom boom. On fait tout péter. Oh, c'est une singerie, les gars. Une singerie. Il est trop stylé. Il est immense. Il est titanesque. Allez, mon pote, tu vas prendre. Voilà, on est en full Bouddha sur toi, mon gars. Tu vas prendre ce que tu mérites, Léviathan. Toi qui étais endormi pendant un millénaire et qui t'es réveillé dans un glaçon énorme. Tu ne t'attendais pas à ce qu'on te reçoive comme ça, mon pote, hein? Bah oui, mais t'es méchant aussi. T'aurais été un gentil, Léviathan. T'aurais été un petit poisson rouge. On t'aurait rien fait, mais là, t'es quand même un gigantesque serpent des mers. Allez, ok, il a plus de vie. Attends, il y a une partie de lui qui a plus de vie là. Attendez, attendez, il y avait une partie de lui qui était super low. Ok. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Attendez, je suis devenu un glaçon. Allez, allez, ok, cette partie de là. Ok, on a défoncé. On a gagné quoi? Des Léviathan Scale. Ok. On a des petites écailles de Léviathan. Je crois que ça va nous aider pour le style de combat sanguinart. Et ça, les gars, croyez-moi qu'on va le faire aussi, hein. J'ai très hâte de découvrir ces styles de combat. Voilà pour l'instant. Ok, mais attendez, il y a un mur invisible. J'arrive pas à passer. Mais il est de l'autre côté du mur. Qu'est-ce qu'il y a? On doit faire quoi? C'est une barrière. On doit attendre que ça s'enlève. C'est quoi? Faut casser la barrière. Je comprends pas. Attendez, les gars, ça c'est clairement un bug, non? Je comprends pas ce qu'il faut faire, les gars. Attendez, on va essayer de se TP. Parce que là, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. Ok, allez, la TP. Allez, ok, c'est bon. J'ai réussi à me TP. C'est bon. J'ai réussi à me barrer, les gars. Ok, de retour contre le Léviathan. Il est énorme. Il va me bouffer. Oh la dingue. Eh, c'est un truc de fou, les gars, il a beaucoup trop de vie. Allez, faut le défoncer. Allez, allez, on défonce ces petites parties de son corps et je pense qu'après on pourra s'attaquer à son gros crâne. Tête de neuil, frère, tête de neuil. Oh là 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 là, on est en train de le marave. On est en train de le marave. On lui laisse aucune chance, au Léviathan. Eh ouais, mon pote, c'est comme ça que ça se passe ici. On est en C3, tu sais pas où t'as mis les pieds. Moi, je fais le malin, mais tout seul contre lui, j'aurais aucune chance, les gars, ça aurait mis 1000 ans. Heureusement que j'ai tout l'équipage avec moi, les gars. Les merveilleux abonnés qui ont rejoint le Discord. Et oui, faites comme eux, les gars, rejoignez le Discord. Il est en description, faites-le. On rush les 20 000 membres dessus. Ok, allez, allez, il a plus beaucoup de vie. Il y a une partie de son corps qui a plus beaucoup de vie. Allez, allez, j'en ai marre d'être un glaçon là. Allez, allez. Il faut le défoncer, les gars. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est bon, ok, c'est parfait. Encore des petites écailles de Léviathan. Nickel. Est-ce que là, on va pouvoir s'attaquer à son gros crâne à ta mère? Non, je crois toujours pas. Il doit y avoir une partie de son corps qui est quelque part. Attendez. Mais là, on voit que sa tête. Ah non, c'est bon, elle est là, ok. Il faut défoncer cette partie là, elle a plus de vie. C'est bon, je crois que c'est la dernière partie, les gars. Allez, faut le défoncer. Il est où? Ok, c'est là, c'est là. Je l'ai devant moi. Ouh là 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 là, je suis coincé dans des glaçons. Allez, allez, elle a plus beaucoup de vie, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Allez, petite attaque, et oui, on lui met la dernière attaque, let's go. Et en plus, ça me fait passer des levels, ça c'est parfait. Ok, les gars, là c'est bon, sa barre de vie, elle est passée en vert, ça veut dire que c'est lui qu'on peut attaquer directement, voilà. Je suis sur son dos. Je serai sur ton dos jusqu'à la fin des temps, Léviathan. Ok, les gars, on est en train de le défoncer, c'est parfait. Typhonotos. Oh là là, il fait des tornades de mer et tout. Oh la dinguerie. Oh, c'est trop stylé. Bon, Typhonotos. Tu prends ton typhon, mon pote. L'attaque de la Shark on Shore est exceptionnelle. Oh là là, il est gigantesque. Gigantesque, Léviathan. Attendez, attendez, j'ai envie de le voir d'un peu plus près. Attendez, première personne, il est où, Léviathan? Oh là là, il est incroyable. Oh là 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 là, il se prend les foudres de tous les dieux. C'est une dinguerie. Oh, il est trop stylé. Oh là là, mais oui, mais oui, mais qu'est-ce qu'il est classe. Qu'est-ce qu'il est classe. Quelle dinguerie. Il est trop stylé, les gars. Le boss ultime, le Léviathan. Allez, on va le défoncer, il a plus que 236 000 de vie. On est tous dessus, on s'acharne. Oh là 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 là, oh c'est quoi ces attaques de fou? Il a essayé de nous manger là, je reconnais. Allez les gars, allez. On le défonce super facilement les gars, on est les meilleurs, on est le meilleur équipage de tout Bloxfruit. Oh oui, ça lui enlève toute sa vie. Oulala, 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 ça sent les grosses attaques ça. Ouh ouh ouh. Allez les gars, un dernier effort, c'est la dernière ligne droite pour le défoncer. Oh, il sait plus quoi faire, il est au bout de sa vie, Léviathan. Il est au bout de sa vie, il est en train de pleurer, je l'entends. Il chouine. Oh là là, oh quoi? Mais il a essayé de me taper un croc. Attendez, c'est un fou. Oh là 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 là. Mais il est titan. Oh là 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 là, il est titanesque, il fait des trucs de fou. Allez, 39 000 de vie. On va terminer, mon pote. Allez, prends ton typhon. Oh là là, il crée des nuages de fou. Oh là là, 13 000 de vie. C'est terminé bientôt pour toi, le Léviathan. Et il est mort. Oh là là, il s'écroule sur lui-même. Let's go. On a défoncé le Léviathan. Et quoi? Open your compass menu to obtain the Léviathan heart. Ok, attendez, quoi? Il y a son cœur quelque part. Ok, attendez, il est à 20 mètres. Je sais pas où il est. Ok, attendez, il est par là. Ah, ok, c'est ça, attendez. Ok, il est là, le cœur du Léviathan. C'est stylé de fou. Oh là 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 là, quelle dinguerie, les amis. On a réussi à défoncer le Léviathan. Oh, c'est incroyable. Incroyable de fou. Donc, c'est ça, le cœur du Léviathan. Oh, c'est bien stylé, hein. Mais je sais pas ce qu'on doit faire maintenant parce que...
sais pas trop. On doit le casser, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, attendez, attendez, je prends un petit plan parce que c'est beaucoup trop classe. Oh là là, regardez-moi ça, c'est magnifique, les gars, magnifique. On a défoncé le Léviathan sans grande difficulté, les gars. Oh là là, et en un temps record, et oui. Oh, c'est insane. Et là, du coup, je sais pas ce qu'il faut faire avec ça. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire avec le cœur là. Faut l'attaquer, je mets des attaques un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je suis censé faire? Oh, c'est bon, ok. Ça nous a respawn sur l'île. Ça nous a respawn en C3, les gars. Ok. Aujourd'hui, les amis, on va tout simplement débloquer le nouveau style de combat qui est disponible depuis l'update numéro 20, les gars, le Sanguine Art. Et j'ai vu quelques petits trucs, ça a l'air plutôt stylé, on en a un peu parlé. Et j'ai très hâte de découvrir ça avec vous, les amis, surtout que ça va être quelque chose d'assez compliqué pour l'obtenir. Donc déjà, on se rend au Tiki Outpost, les amis, et vous allez devoir suivre mon chemin un petit peu pour aller trouver le frérot. Le frérot qui va nous demander des choses, les amis. Il va nous demander beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes et ça va être très long, je pense. Vous allez comprendre. Donc déjà, vous passez par ici, voilà, ces petits tunnels, hop là. Et vous arrivez devant ce mec qui va vous demander le cœur froid. Donc les amis, ça va être le cœur du Léviathan qu'il va falloir aller chercher. Mais pour ça, on a besoin d'un bateau assez spécial et d'une sacrée équipe de loubards. C'est parti. Oh là là, il y a le premier frérot qui arrive avec le bateau incroyable, les amis. On a besoin du Beast Hunter. Donc moi, j'ai pas encore assez d'écailles de Léviathan pour l'avoir. Mais lui, clairement, il a eu. Regardez-moi ce bateau de fou. C'est un brise-glace, le truc. C'est un bateau de zinzin. Quelle dinguerie. Oh, aïe, 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 aïe. Il est beaucoup trop stylé. Et là, du coup, les amis, c'est avec ça qu'on va devoir récupérer. Oh, par contre, je peux me relever là. C'est avec ça, les amis, qu'on va devoir récupérer le cœur. Et attendez, regardez, on a ça. Et on peut lancer un harpon. Et waouh, attendez, ça marche comment? Ça marche comment ce truc? Attendez, je galère un petit peu. Comment elle fonctionne la machine? J'arrive pas à comprendre. ZQSD. Ah, d'accord, ok, on bouge avec les touches du clavier. Ok, c'est parfait. Et avec ça, les amis, au moment voulu, on devra récupérer le cœur de glace pour le ramener au Tiki Outpost. Et ça va être une mission assez périlleuse parce qu'il faut tout simplement retourner au Léviathan. Et oui. Ok, c'est bon. Normalement, le Léviathan a été payé, les amis. Je vous rappelle pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo sur le Léviathan, qu'il faut aller payer le petit espion tout en haut et bien sûr accepter tout le monde. Voilà. Ça évitera qu'on se casse la tronche. Et les amis, une fois que le Léviathan a été payé et qu'ils nous disent qu'il est bon, hop là, on monte tous là-dedans. C'est parti, les copains. Est-ce que vous êtes chaud? Oh là là, on a un équipage de fou furieux, les gars. Là, on a un équipage de fou malade. Merci d'ailleurs à tous les abonnés. De toute façon, il y a leur pseudo en jeu, les gars. Et c'est parti. On part à l'aventure. Et les amis, bien sûr, vous pouvez rejoindre le Discord si vous voulez m'aider pour ce genre de vidéo. C'est parti. On se retrouve à la Frozen Island. Ok, les gars, c'est bon, on l'a enfin trouvé. Ça fait 3 heures qu'on tourne, les gars, c'est une dinguerie. On a dû shutdown le CRV et tout, etc. pour la trouver. Et maintenant, on l'a enfin. La Frozen Island, la fameuse. Et c'est parti. On va se faire le Léviathan une seconde fois. Oh là là, toujours l'animation incroyable, les amis. Mais là, c'est bon, vas-y. On t'a déjà vu, frérot. Maintenant, on perd pas de temps. On va te défoncer d'un coup. Ok, en plus, ah voilà, il y a le bateau qui est avec nous. C'est parfait. Le bateau qui va nous servir après pour choper son cœur de glace. Bon, là, faut juste qu'on le défonce. Hein. Maintenant, on connaît les manips, les gars. On sait ce qu'il faut faire. Faut défoncer ses petites parties de corps d'abord avant de lui couper son gros crâne. Let's go. On lui fait un max de dégâts. Voilà, mon pote. Tu sais comment ça se passe? On n'est pas venu ici pour rigoler, mon gars. C'est tellement dommage, les gars, que le Bouddha, ça puisse pas lui faire les coups d'épée normal en dégâts. On est obligé de faire avec des habilités. C'est pas grave. On lui en met quand même un petit peu. Ok, on chope des écailles de Léviathan. Et c'est parfait parce que il me manque juste ça, les gars. Il me manque juste des écailles de Léviathan pour avoir le Beast Hunter. Et pour pouvoir le crafter. Je crois qu'il me manque ça et 2-3 petits trucs d'à côté, mais en tout cas ça le fera. Parce que là j'ai dû demander à des abonnés de le ramener parce que moi je l'avais pas encore. Et merci beaucoup à Bananier. Voilà Bananier, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Merci beaucoup à toi. C'est pas moi qui ai choisi son pseudo, les gars. Ok, le Léviathan est bientôt mort. Et c'est parti, on va bientôt pouvoir accrocher son cœur au Beast Hunter et le ramener au Tiki Outpost. Ok, c'est bon, il est cané, le Big Léviathan, il est cané. Ok, il faut vite les gars que vous rameniez le bateau. Si vous m'entendez. Ok, il y a son cœur qui est juste là, les gars. Il va falloir ramener le bateau. Les gars. Les gars, pourquoi y a pas le bateau? Attendez, 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 c'est une dinguerie. Les gars, le bateau? Non, parce que le cœur va partir là. Les gars, s'il vous plaît, pas tout ça pour rien, s'il vous plaît, les gars. Non, pas après tout ce temps. Il est où le bateau? Mais pourquoi? Mais arrêtez de danser sur le cœur, allez chercher le bateau, les gars. C'est une dinguerie. Mais non, mais il va disparaître. Mais c'est, oh là là, mais non. Mais je vais péter un câble. Mais voilà, il a disparu. Mais non. Mais tout ça pour rien. Non, mais attendez, mais les gars, y a pas de bateau. On a plus rien. Les gars, oh non, 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 le cœur, mais le cœur va disparaître dans 2 secondes. Le bateau a des pop. Mais non, mais le bateau. Mais le bateau. Il nous fallait le bateau, juste une chose. Il nous fallait juste le bateau. Non, il va falloir qu'on recommence tout. Mais non, il fallait que le bateau dépop. On doit piquer ce cœur. On était censé le voler. Les gars, j'ai trop le seum. Personne sait où est le bateau. Personne sait où il est. Non, non, mais là c'est foutu, c'est foutu. Ouais, ouais, il a dépop. Mais non. Et le cœur a disparu. Eh bien les amis, on va devoir y retourner. Voilà, on va devoir le...
Ah ouais, bah il respawn là en fait, il respawn là-bas, il est là-bas. Mais non, c'est une dinguerie, j'ai trop le seum les gars, ça fait vraiment 1000 ans qu'on a attendu. Autant l'autre fois j'avais eu de la chance avec la Frozen Island, autant là pas du tout. On l'a vraiment mis 1000 ans à la trouver. Bon bah c'est pas grave, hein, on est reparti, hein. J'ai un peu le seum. Bon les gars, au moins je vais pouvoir aller crafter mon Beast Hunter et ça c'est parfait. Hop là, comme ça, plus besoin de demander aux abonnés, j'ai le mien maintenant, je vais avoir le mien. Hop là, Beast Hunter c'est parfait, on a exactement tout ce qu'il nous faut, les écailles et tout. Merci beaucoup, le Beast Hunter est créé maintenant. Ok, donc normalement maintenant si je vais voir le frérot des boat dealers là, je vais pouvoir avoir mon Beast Hunter. Et croyez-moi les gars, c'est avec mon bateau qu'on va le ramener. Mon bateau il dépop pas, moi. Moi mon bateau il va pas dépop comme ça soudainement. Mon bateau c'est le plus fort de tous les bateaux, d'accord. Oui, parce que je suis youtubeur, oui. Ok, prochain, ok, gardien lanterne, ok, et Beast Hunter, let's go, c'est le mien. Il est à moi les gars. Allez c'est reparti, je suis sûr on en a encore pour 5 heures de recherche, mais on y va. Oh là 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 là. Enfin les gars, enfin, on est retourné à la Frozen Island. Les gars, je vous dis même pas le temps qu'on a passé, les gars. Vous me croiriez pas, les gars, si je vous disais le temps qu'on a passé, mais on a eu beaucoup d'imprévus, beaucoup de trucs chiants. Et là, enfin, on y est, à la Frozen Island. Ok, c'est bon, ils ramènent les bateaux, parfait. Et on va pouvoir y aller, very well. Et c'est parti, pour la deuxième fois dans cette vidéo, on va défoncer le Léviathan. Ah, cette fois-ci, je vais pas perdre mon temps à te causer, frérot. Je vais te défoncer, tout simplement, coup d'épée dans tes chicots. Il va repartir mal, mon copain. Mal, le Léviathan. T'es fiché. Okay. Bon, par contre, les gars, cette fois, je vais pas faire la même erreur. Je vais rester avec le bateau. C'est décidé. Ok, le bateau est là. Ouh là 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 là. Attendez, le Léviathan il a plus de vie. Moi je reste ici les gars, je reste là. En sécurité avec le bateau, je le garde en visuel. Défoncez le Léviathan les gars. Ok c'est bon, je lui mets mes petites attaques de loin en plus. Je contribue comme je peux les gars, en même temps je dois garder le bateau. Allez-y, défoncez-le, il a plus beaucoup de vie les gars. Oh là là, mais il est tombé sur moi. Eh ben vas-y, go l'attaquer. Tu t'approches pas du bateau, tu dégages. Tu dégages. Boum. Oh là 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 là. La destruction massive. Ok, les deux bateaux sont là, c'est parfait. On a deux Beast Hunter, c'est nickel. Mais je veux prendre le mien quand même. Au moins avec le mien, il y aura pas de soucis. Allez, le Léviathan est mal en point. Voilà, on le défonce, les gars. On l'a déjà fait une, deux fois. Maintenant, on peut le faire une troisième. Jamais deux sans trois, mon pote. Sauf que cette fois-ci, on va repartir avec ton cœur. Ah, par contre, il m'en veut quand même. Je suis pas un glaçon, frérot. Ok, ça va. Ok, le bateau est toujours là. Tout va bien. Il a un peu poussé avec sa queue, mais c'est bon. Tout va bien. Pas de dommage. Et c'est bon, le Léviathan a plus de vie. On a le bateau. Vite, il faut aller chercher le cœur. Attends, frérot. Ok, vas-y, conduis. Moi, je prends ça. Et c'est parti, les gars. On va lui piquer. Non, c'était à gauche, c'était derrière. Retourne en arrière, je l'ai vu. Vite. Ok, il est là, les gars. Le cœur du Léviathan, j'axe bien pour le choper. On va le harponner comme jamais, les amis. Ok, c'est parti, on axe et boum. Let's go. C'est parfait, les gars. On a chopé le cœur du Léviathan, enfin, maintenant. Oh là là, c'est trop stylé, les gars. Non, vraiment. Là, ça a du flow. Cette scène, elle a du flow. On dirait qu'on est dans Sea of Thieves, les gars. C'est un truc de fou. Vraiment, ça a beaucoup trop de style. Hop là, on ramène le cœur du Léviathan. Maintenant, il faut repartir au Tiki Outpost. Et on a pas mal de routes, les gars. On a vraiment beaucoup de routes pour arriver jusque là-bas. C'est une dinguerie. Merci à tous les abonnés qui ont participé, vraiment. De toute façon, les gars, ils savent, il y a eu leur pseudo dans la vidéo. Et voilà. Et merci à eux. Et de toute façon, ils savent. On a vécu de grandes choses, hein, cette nuit. Voilà. Parce qu'on a tourné pendant la nuit, là, les gars. À l'heure où on finit ça, il est 6h du matin. Voilà. Et on a commencé hier soir. Enfin, bref. C'est une dinguerie. On a enfin réussi. Oh là là. C'est tellement stylé, les gars. C'est tellement cool. Mais c'est même plus Bloxfruit, là, les gars. C'est un autre jeu. C'est un autre jeu d'aventure. C'est fou. On vit des aventures folles. Attendez, je vais voir si je peux pas prendre des petits plans en drone avec le Flamingo Ride. Oh là là, c'est stylé. Regardez-moi ça. Des plans en drone, carrément. On fait des petits plans en drone. C'est trop cool. Oh là là, c'est magnifique, les gars. On ramène le Leviathan Heart au Tiki Outpost, les gars. Pour je vous le rappelle, les gars, à la base, la mission, c'est tout simplement pour avoir le dernier style de combat à la mode. Hein. Vraiment, c'est ça. On veut le Sanguine Heart. Et pour ça, il faut qu'on fasse tout ça, c'est une dinguerie, les gars. On va le mériter, le Sanguine Heart, hein, vraiment. Aïe, 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 avec le petit lever de soleil et tout. Oh, c'est magnifique, les gars. Regardez-moi ça, c'est beau. On rentre au bercail. Oh là là, après une grosse nuit d'épreuve, les amis, de fight contre moult Terror Sharks, les gars, c'est une dinguerie. Oh là là, non, il est trop stylé, il est trop beau. Allez, les amis, c'est parti. On va au Tiki Outpost. On rentre au bercail, les copains. Enfin, je vais pouvoir vous libérer. Non, après, c'est cool parce que les abonnés, du coup, ils m'ont dit que bah, ils étaient fatigués et tout, mais qui kiffaient quand même. Et c'est ça qui est cool. C'est que vraiment, on a tout ce qu'il fait tous ensemble et tout, c'est trop bien. Et c'est le principal, c'est l'amusement. C'est bon, les gars, on arrive enfin au bercail. On arrive au Tiki Outpost avec notre trophée légendaire, les amis, le Leviathan Heart. Et il disparaît dans l'océan. Obtain Leviathan Heart x1. C'est parfait, les gars. Ah, mais on le chope carrément en item. Ah ouais, il est stylé. Oh, il a beaucoup trop de classe. Leviathan Heart, c'est bon. Quête validée.
Et maintenant, les gars, on va pouvoir retourner voir le frérot. Ok, c'est par là. L'heure est venue d'aller parler à Shafi, les gars. Shafi, le frérot qui va nous donner tout ce qu'on a besoin. Allez, tiens, mon pote, c'est bon. On a le cœur du Léviathan. Amen. Parlez. Ok, maintenant, il lui faut 20 Demonic Wisp, 20 Vampire Fangs and 2 Dark Fragments. Ok, bah, c'est pas une mince affaire parce que je crois que j'ai pas grand chose de tout ce qu'il demande. Ah, ouais, déjà, on a qu'un seul Dark Fragment, donc il va falloir qu'on aille se faire barbe noire. Ça va être compliqué. J'ai 14 Demonic Wisp et très peu de Vampire Fangs. Ok, d'accord. Les amis, c'est parti, hein, je crois que on sait ce qu'il nous reste à faire. Bon, c'est pas fini, les gars, mais on va la voir. On va la voir, les gars, ce style de combat. On va la voir, croyez-moi. Bon, les gars, on a dû repartir en 6-2 pour tout simplement affronter des Sibistes, avoir le Fist of Darkness pour affronter Barbe Noire. Donc, on est encore avec les mêmes frérots, les mêmes abonnés qui m'ont encore aidé, encore une fois. Et on n'a pas drop le Fist of Darkness. Mais par contre, attendez, on a quoi? Chopa? C'est quoi le Chopa? Qu'est-ce qu'on a? On a gagné quoi? Je comprends pas. C'est quel item, le Chopa? C'est stylé. On a le chapeau de Tony Tony Chop. Incroyable. Mais non, mais les gars, mais c'est une dinguerie. Oh, mais trop stylé. Oh, c'est ouf, les gars. Et je le garde. Je vous jure, je le garde pour tout le reste de la vidéo. C'est une dinguerie. Il est beaucoup trop cool. Je suis un géant gigantesque chopper, les gars. Je suis en Monster Point. Et les amis, un abonné a drop le Fist of Darkness. Du coup, on va pouvoir aller affronter Barbe Noire. Qui va, j'espère, nous donner un petit Dark Fragment. Et oui, mon pote. Invocation. Allez, c'est bon. C'est l'heure de le défoncer, les gars. On le castagne, Barbe Noire, maintenant. On le castagne, voilà. Donne-nous le Dark Fragment. Le pauvre, on est en train de le défoncer. Le pauvre boss. On est en train de le castagne dans tous les sens, les gars. C'est n'importe quoi. Allez, mon pote. Il s'est volatilisé. Où est-ce qu'il est? Allez, voilà, il est là. Défonçons-le, les amis. Nous avons besoin du Dark Fragment pour le Sanguine Heart. Les amis, on va juste débloquer un style de combat de vampire de fou. Ça va être trop stylé. Allez, il n'a plus beaucoup de vie. On le termine. Allez, mon pote, donne-nous le Dark Fragment, c'est parfait, les gars. On a le Dark Fragment, c'est nickel. Il ne manque plus que les dents de vampire et les Demonic Wisp. On doit continuer de farm, les gars, c'est pas fini. Et nous voilà dans la caverne aux vampires, les amis. J'ai 19 petites dents de vampire et il nous en manque plus qu'une. Allez, donnez-moi ça, là, les petits loups, là. J'ai plus de temps à perdre avec vous. Je veux mon style de combat, d'accord? Ils sont tellement faciles à vaincre, les gars. Comparé aux petits NPC de la C3, c'est vraiment simple ici. Par contre, là, il y en a aucun qui me donne des dents de vampire, là, les gars, s'il vous plaît, quand même. Faut se dépêcher, là, faut se dépêcher. Ça fait déjà 1000 ans que je suis sur vous, mais ça faut pas le dire. Donc dépêchez-vous, là. S'il vous plaît, je veux le dernier. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Les gars, il y en a aucun qui veut me le donner, hein. C'est des items tout simples. Ça sert qu'à ça. Alors donnez-moi ça. Il n'y en a pas le temps. Ok, c'est bon, enfin, les gars. Dans le vampire, c'est bon. On a terminé. Là, normalement, hop là, 20 sur 20, c'est parfait. C'est Shafi qui va être content. On va tout lui ramener. Il va être super content. Et nous aussi, on sera super content parce qu'on aura enfin le style de combat. Allez, les gars, c'est parti. On va en C3. Maintenant, c'est le tour des Demonic Wisp. Allez, mais emmène-moi en C3, mon pote. Allez. J'ai pas ton temps, frérot. Ok, c'est bon, les amis. On a atteint les 19 petites Demonic Wisp. Il nous en manque plus qu'une. Allez, let's go. Ça va prendre encore 1000 ans comme les vampires, les gars. Ah, j'en veux plus de crap, c'est bon. Bah, parfait, c'est bon. Allez, on l'a, nickel. On a juste à partir maintenant au Tiki Outpost. Et oui, on a rempli tout ce qu'il y avait dans notre contrat, les amis. On peut donc tout lui ramener maintenant. Tiki Outpost, c'est parti. On va voir Shafi. Shafi, beaucoup de temps qu'on s'est pas vu. Excellent. Et tu la notes, celle-là. Bon, allez, j'arrête. Je suis pas drôle comme mec, ok? Shafi, mon pote, j'ai des trucs pour toi. Ok, nickel, on va pouvoir tout te donner. Hop, parler, et c'est bon, les matériaux ont été utilisés avec succès. Maintenant, est-ce que tu vas prendre le style Sanguine Heart pour 5 millions et 5000 fragments, d'accord? Ah ouais, ok, c'est pas mal, ça fait beaucoup quand même. On a les fragments, ça c'est sûr. Mais par contre, ce qui concerne l'oseille, les gars, je crois qu'on va... il va falloir débourser quelques petits Robux. Écoutez, on va prendre 1,8 million, ça fait 1000 Robux, et puis bon, il va nous en manquer un tout petit peu, mais faut voir. Eh oui, les 1000 petits Robux, c'est parti, ça part à temps. Et il nous manque 25 000. Ok. Bon, vous savez quoi, flemme d'aller taper quelqu'un, c'est bon, vas-y, on met 50 Robux en plus, ça nous donne 60 000. Comme ça, au moins, je suis pas à la rue après avoir payé ça, les gars. Il me restera 41 000 dollars. C'est parfait, maintenant, les gars, tenons-nous prêts pour acheter le style de combat Sanguine Heart. Allez, oui, donne-moi tout. Amen. Apprendre, les amis, c'est parfait, on peut apprendre ce style de combat et c'est fait, les gars. On l'a, nouveau style de combat. Oh, what, c'est stylé comment il avance. Oh là 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 là, attendez, c'est une dinguerie. Oh, il est trop stylé. Attendez, il faut que je le teste. Absolument. Toi là, oh là là, on teste sur lui. Ok, ça va, ça. Je sais pas si ça fait énormément de dégâts. Non, ça tape du 1700, les gars. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est hyper rapide. On tape du 1700, mais ça va beaucoup plus vite. Et ça nous fait pas bouger, les gars. On reste statique quand on tape. C'est parfait, on prend nos maîtrises. Oh là 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 là, ça va être une dinguerie, je sens. Une dinguerie, ce style de combat après pour lequel on a fait
tant d'efforts, les gars. J'y suis depuis super longtemps, les gars. Ça fait, vous savez pas, mais ça fait 8 heures que je règle cette vidéo, d'accord? Ça fait 8 heures. Et c'est une dinguerie, les gars. C'est si fluide et c'est beau. J'aime trop. Ça fait vraiment un flow stylé de fou. Et ben, les amis, on va tout simplement aller se défoncer le boss Big Mom. Histoire de prendre un maximum de maîtrise, les gars. Attendez, quand même. C'est l'heure d'affronter la Big Mom. On arrive. Ah, bah, elle est pas là. Ok. Bon, bah, on va prendre un petit boss. Bien sûr, les gars, je suis pas ouf. On va prendre quand même le Bouddha pour s'en sortir un minimum. On va la commencer à l'épée, je pense. Parce que j'ai pas encore mes maîtrises sur le Sanguinard, même si c'est stylé. Oh là là, ça fait les dégâts vraiment à distance, les gars. Oh, c'est un truc de fou. Ça fait vraiment les dégâts à distance de fou et je la maintiens super loin de moi. Oh, c'est dommage, elle a des attaques à distance, mais sinon, je pense qu'on pourrait vraiment la défoncer hein, et se faire un multiplicateur de fou furieux. Sauf qu'elle a ses attaques à distance, malheureusement. Donc, on va se la faire à l'épée. Aïe. Oulala. Oulala. Oulala, elle est en train de nous défoncer là quand même. Aïe, 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 aïe. Ça pique. Big Mom, c'est pas fair play ce que tu fais. C'est pas fair play. On essaye de lui enlever un maximum de vie quand même. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ouais, bah ça, c'était couru d'avance. Elle est où la Big Mom? Oh, bah elle est collée là. Bah attendez. Oh, je peux la défoncer de l'extérieur. Oh, c'est cheaté. Ah, c'est cheaté, elle peut rien faire, elle peut pas me toucher. Big Mom, ah si, j'ai rien dit. Ok, elle m'a touché. Autant pour moi, mais laisse-moi te défoncer comme ça, c'est parfait. Nickel. On lui met ses petites attaques à distance. Oh non. Laisse-moi revenir. Attendez, elle m'a... je vais revenir pour te. Mais laisse-toi, laisse-moi. C'est ce truc de fou, ça. Les gars, j'ai plus de vie, elle m'a défoncé. Mais non, mais c'est une dinguerie. Mais comment elle peut l'enchaîner autant de fois de suite? C'est un truc de fou. Tu vas voir ce que tu vas prendre, Keiko Queen. Va te défoncer. Aïe, mais c'est un truc de fou de faire ça. Ton attaque de mort. Aïe, aïe, aïe. Et tiens, prends-toi tes attaques un peu. Oh, elle est sortie. Elle est sortie. On a réussi à la faire sortir, on a débusqué le rat. Non, non, elle est re-rentrée du coup. Allez, le rat, prends-toi ça. Hein. Le seul vrai rat qui a le droit d'exister, c'est Yeko. Je défendrai son honneur en défonçant Big Mom, qui reste terré comme un blaireau dans son chou à la crème. Ok, là par contre, elle a vraiment plus beaucoup de vie, les gars. Ça va être le moment de se la faire à la Sanguinart. On va te défoncer, viens là. Et on va prendre nos maîtrises sur ton cadavre. Hein. Allez, viens là. Mais laisse-moi venir, hein, c'est un truc de fou. Allez, on va se la faire comme ça, c'est pas grave. Ah, bah oui, je suis moins facile à toucher quand je suis pas en Bouddha. Et tiens, mange-toi ça. C'est bon, j'ai toutes mes maîtrises, les amis. Toutes celles qu'elle avait à me donner. Oh oui, ça monte. Et les gars, on a la Bloodbane Drain maîtrise 125, c'est parfait. J'ai très hâte d'aller la tester, les gars. Ça, c'est un truc que je connais pas, du coup. Du jamais vu. J'ai encore jamais vu les maîtrises, les gars, du Sanguinard. Et testons ça, et boum. Ok, c'est une attaque à 3600. Et en plus, j'ai pas mis mon haki. C'est parfait, ça. Voyons voir ça, testons sur toi. Ok, 4200 de haki. Attendez, quoi? Ça m'a remis ma... Oh, wow! Attendez, ça m'a remis ma vie. Ok, attendez, on va le laisser nous taper. Attends, ok. Aïe, j'ai pas réussi. Je crois que ça nous remet notre vie, les gars. Parce que Drain, Bloodbane Drain. Attends, ça peut drainer leur sang et du coup nous remettre de la vie. Ça, c'est une dinguerie. Ok, 4200 de dégâts, ça c'est ouf déjà. Ok, attendez, on va le laisser nous taper. Vas-y, tape-nous. Y'a pas de soucis, mec. Tape-moi, vas-y. Ok, Bloodbane Drain. Ok, on prend notre vie, d'accord. Ok, ça nous remet à peu près du 2000. Ça nous remet du 2000 de vie, c'est pas mal. Genre, on va sur lui et ça nous remet de la vie. Ah, bah, c'est parfait. Merci beaucoup, mon frérot. Ça, c'est trop bien. En vrai, mais c'est le meilleur style de combat, je crois. Il est super agréable à jouer. En plus, les gars, il est super smooth. Oh, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Si ça nous remet de la vie comme ça en plein combat, c'est un truc de fou. Tu fais une attaque comme ça en PVP, c'est un truc de malade. Je pense que ça marche en PVP en plus. Mais tout le monde va l'utiliser, les gars. En PVP, ça, tout le monde va l'utiliser. C'est ouf. Plus personne va utiliser les autres styles de combat. C'est un truc de fou. Après, les gars, faut voir si c'est le meilleur en termes de puissance. Mais là, les enchaînements, ils sont fous. Les enchaînements, ils sont incroyables. Rien que ça, c'est cheaté alors qu'on a qu'une seule habilité. Non, non, non. Il est trop agréable à jouer. Je vous jure, le style de combat, je sais pas. C'est pas. J'arrive pas à le décrire comme ça, les gars. Il faut que vous le testiez. Mais c'est trop agréable à jouer. Je sais pas. La sensation quand tu clic et tout, le smooth des attaques, c'est trop cool. Le son et tout, ils ont trop géré. Vraiment, les gars. Là, vraiment, je vous demande de le tester carrément. Faites tout ce que je viens de faire dans la vidéo. Bon, oui, c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes déter, vous y arrivez avec quelques potes. Et vraiment, attendez, là, on va le tester. Oh là là, attendez, on va le tester sur tout un groupe. Là. Oh là, c'est. Non, c'est tellement smooth. Attendez, mais la portée, elle est incroyable en Bouddha. Attendez, en Bouddha. Ouais, non, mais le combo Bouddha plus ça, c'est fou. Je vous jure, le combo, il est incroyable. En plus, on bouge pas, on reste statique. Ça nous fait même pas avancer et tout, c'est parfait. Non, mais les gars, on peut rester comme ça. Mais what? Et la portée, elle est ouf en Bouddha. Elle est beaucoup plus impressionnante qu'avec toute autre arme. Je crois qu'il y a un peu plus de portée. Non, c'est trop smooth. Et le design est incroyable. T'as fait un design vampirique et tout, de sang stylé. Non, c'est trop stylé. Les gars, c'est beaucoup trop classe. Ce style de combat, les gars, je le valide déjà alors que j'ai même pas toutes les habilités. C'est un truc de ouf. Mais bon, on va devoir y aller quand même. Hein. Les amis, j'ai pu augmenter la maîtrise du Sanguinart jusqu'à la 243. Et on va pouvoir débloquer le Scarlet Tear, les amis, qui a la maîtrise 250. Et là, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Je pense que ça va être une attaque à peu près normale, les gars. Peut-être une attaque de groupe avec un peu de chance. Ok, maîtrise 249, j'ai très peu de luck là. Je pense que ça peut être une attaque de groupe. Et les amis, je pense que la dernière maîtrise, ça va être un truc un peu avec une habilité spéciale qui va faire un truc cool. Je sais pas encore c'est quoi, les gars, mais il y a moyen. Voilà, en plus, la dernière habilité, elle s'appelle Devourer of Worlds, le dévoreur de monde. Mais les gars, ça va être incroyable. Regardez-moi ce flow même quand on marche, c'est un truc de ouf. Ok, allez, c'est parti. Donnez-moi mes maîtrises là, les petits loups. Et viens là, toi, viens là, on t'enclenche. Je veux voir ce que c'est le Scarlet Tear. Ok, bon, un dernier, il en faut un dernier. Allez, venez me donner à manger. Et c'est parfait, nickel.
new skill available, Scarlet Tear. Attendez, déjà on va l'essayer à vide. Voyons voir ce que ça donne à vide, les gars. Ok, on prépare notre attaque comme ça. Et qu'est-ce que ça nous fait, le Scarlet Tear? Ok, ça fait une sorte d'impulsion sur le sol et ok, c'est stylé. Ça ressemble un petit peu à l'attaque du mammouth avec ses défenses là au niveau des traits sur le sol. Attendez, on va l'essayer sur lui. Déjà, on reprend un peu notre vie, voilà, on te défonce. Et le Scarlet Tear qui fait 3893, donc vas-y, 3900 de dégâts avec le haki. Donc c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une très bonne attaque, les gars. C'est des attaques super fortes. Oh là 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 là, mais comment on les enchaîne? Oh non, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou! Je kiffe trop, je kiffe trop. Comment on les enchaîne et tout, on peut courir à... Oh là 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 là, c'est... Parce que vu que le style de combat il nous déplace pas quand on tape, en fait on peut tourner autour de comme on veut, c'est incroyable. On se balade dans le fight, les gars. Regardez-moi ça, on se balade dans le fight et boum, on les enchaîne. Ça peut faire des enchaînements de fou furieux. Hop là, on le chope le mec, bam, Scarlet Tear, on le redéfonce, c'est un truc de fou. Il y a son pote qui vient, on le mêle aussi, les gars, on tourne au-dessus d'eux et c'est incroyable, les gars, c'est si smooth, c'est trop fluide. J'aime trop. C'est incroyable et boum, on enchaîne sur un fight. Oh là là, non, c'est beaucoup trop cool, les gars, c'est beaucoup trop stylé. Je pense qu'en PVP, ça va être exceptionnel ce style de combat. Tout le monde va le jouer d'ici peu, je pense. Rien que pour l'habilité qui donne de la vie, les gars, tout le monde va le jouer. Mais bon, les amis, le moment est venu. Et oui, il va falloir qu'on acquiert le dévoreur de monde à la maîtrise 350. Donc il va falloir que je farme encore un petit peu. Et donc on se retrouve dans quelques instants. Allez, venez là, c'est l'heure du goûter. Ok les gars, c'est bon, on a réussi à level nos maîtrises jusqu'à la 349. Encore quelques petits kills les amis. Et on obtiendra le dévoreur de monde. J'ai trop hâte de voir ce que ça fait. Allez, toi tu viens. Hop là, toi tu viens aussi. On dirait que je les marque, les gars. Je sais pas si vous avez ce ressenti, on dirait que je les marque et comme ça ils me suivent, genre. C'est un truc de vous, c'est trop smooth. Parce que c'est pas un truc qui les cogne, c'est un truc qui les transperce un peu, donc c'est trop stylé. Scarlet Tear. Bah oui, ça pique, hein. Oula, et encore, j'avais pas mis mon haki, les gars, vous avez de la chance. Cependant, toi, tu prends ta dose. Hop là, redonne-moi du sang. Bon, allez, fini de rire, allez, c'est bon là. Eh bah oui. C'est l'heure de vous défoncer, les petits potes. Allez, on les enchaîne, on veut nos maîtrises, les gars, pour tout simplement obtenir le dévorement et c'est bon. New skill available. C'est parfait, les gars, attendez, on va le tester sur lui, là, le dévoreur de monde, là. Voyons voir ce que ça fait sur toi, mon pote. Tu n'es pas prêt encore. Attendez, on va le tester à vide, d'abord. Ok, ça fait une sorte de boule, mais what? Attendez, c'est quoi? What? Ça l'a attaqué quand même. Ça lui a fait du 2700. C'est une dinguerie. Attendez. J'ai pas voulu l'attaquer, je vous jure, je savais pas ce que ça faisait, d'accord? J'ai juste mis une boule au sol. C'est une dinguerie. Attendez, et si on le fait sur lui directement? Dévoreur de monde. Ok, ça le chope et ça lui... What? Quoi? Attendez, c'est une attaque en plusieurs parties, là. Je comprends pas ce qui se passe. Attendez. On va mettre le haki, déjà, pour avoir la vraie valeur du truc. Attendez, et c'est une attaque de groupe. J'ai envie de l'essayer sur un groupe entier. Mais c'est une attaque ultime. Attendez, mais c'est quoi ce délire? Ok, déjà, on commence comme ça. Ok. Allez, venez tous, toi aussi, y compris. Hop là. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour le dévoreur de monde? Voyons voir ce que ça fait, les gars, mais c'est une dinguerie. What? What? Attendez, ça leur a fait quoi, là? Mais ça leur a fait quoi? Mais je les ai possédés, c'est un truc de fou furieux. What? Attendez, mais c'est une dinguerie. J'ai du mal à évaluer combien de dégâts ça fait, mais ça les chope, ça leur met un truc et ça les retape après. Mais c'est un truc de fou furieux. Non, mais c'est le style de combat, il est incroyable, c'est bon. C'est beaucoup trop OP, les gars. C'est beaucoup trop fort. Attendez, mais j'arrive pas à calculer le nombre de dégâts que ça fait au total. Attendez, il faut qu'on voit. Il faut qu'on teste ça, les gars. Combien de dégâts ça fait, cette attaque? Au total, ça fait, ok, 3500 plus... Ok, 3500, d'accord, donc ça fait du 4800. Là, on lui fait du 4800 de dégâts avec cette attaque. Le dévoreur de monde. Et j'ai pas mis mon haki, les gars. Là, je mets mon haki. Donc, on a fait du 4800 sans haki. Mais là, ça va être incroyable. On recommence, ok. 4150, ok, mais what, plus 1500? Mais les gars, c'est une attaque à 5600, mais c'est une dinguerie. Une attaque à 5600 sur un style de combat, bah merci beaucoup, moi je dis oui, hein. Oh là 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 là, comment on les marave, on peut trop les enchaîner facilement, tu mets tout, tu le défonces, c'est une dinguerie. Oh là 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 là, mais les gars, vous allez tellement kiffer le jouer. Si vous décidez d'essayer ce style de combat, les gars, vous allez trop kiffer. C'est une dinguerie, c'est rare que je dise ça, les gars. On peut kiffer des fruits de fou et tout ça, machin, mais là, je vous jure que vraiment, c'est une dinguerie. En termes de kiff à jouer et en termes de stats, c'est un truc de ouf ce qu'ils viennent de faire. Non les gars, l'update 20, elle est incroyable. Elle est beaucoup trop parfaite. C'est une zinzinerie. Aujourd'hui les amis, on va faire un combat tant attendu. Les fruits tout simplement du léopard ici contre les fruits du mammouth. Qui va gagner les amis? Je vous laisse faire vos pronostics en commentaire. Mais avant toute chose, bien sûr, abonnez-vous. Mettez la cloche et likez en balle. On rush les 200 000 abonnés. Est-ce que vous êtes abonnés là les gars? Sautez si vous êtes abonnés un petit peu. Pour être sûr, juste pour être sûr. Ah ouais, là-bas ça saute pas trop ici, hein. Ça sautait chez les léopards, mais ici ça saute. Voilà. Bon, on va voir qui
seront les plus forts, les gars, entre les mammouths et les léopards. Attention, pas d'attaque, pas d'hostilité pour le moment. On se calme. Ok, alors déjà, je vais demander aux léopards de se transformer. Montrez-moi vos belles transformations, les gars. Oh là 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 là, ok, vous êtes des terres, hein. Évidemment, on a Melpern, le bien connu, le Chainsaw Man ici, juste là, qui est très très stylé. Le Super Saiyan, le... ça me fait vraiment... Toi, ton skin me fume, hein. Le léopard, vraiment cher, vous direz le Léo Wish. Un léopard de Wish, il me fume de rire. Et le léopard Maître Shifu. Le léopard, si ça avait été Kaido dans One Piece. En tout cas, vous êtes très très stylé. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner là? Sautez si vous pensez que vous allez gagner en vrai. Ah ouais, ça saute haut. Effectivement, ah ouais, ça saute haut, là, ça saute tellement haut que vous pensez que vous allez gagner, hein. Et bah attendez de voir ce qui arrive. Parce que les mammouths, je vous demande de vous transformer également. Oh là 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 là. Oh la dinguerie, les gars. Oh, l'équipe de mammouths. 4 mammouths contre 4 léopards, les gars. Qui va gagner? C'est une dinguerie. Ok. Vous aussi, sautez si vous pensez que vous allez gagner, les gars. Oh là là. Oh, ils sont déter. Oh, l'envolée des mammouths. C'est une dinguerie. Bon, d'accord. Le truc, c'est que vous, on peut pas trop vous différencier. Hein. Voilà, vous ressemblez un petit peu tous, là, les gars. Pas vous mentir. Enfin, bref. Bon, alors, voyons voir. Qui va combattre qui, les amis, pour comment? Tu sais quoi, vas-y, Melpern, je te laisse l'honneur de commencer et choisir ton mammouth adversaire. Voilà, va choisir lequel tu veux affronter dans cette arène de tous les dangers. Miaou, d'accord, très bien. Alors, lequel va-t-il choisir? Lequel Melpern va-t-il choisir? Ok, il prend celui de tout à droite. Ok, le mammouth de tout à droite, tu vas pouvoir aller te mettre sur la case amicale 1v1. Ça reste amical, mais évidemment, bah vous allez devoir vous affronter jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mort s'en suive, les gars. Et je vais spectate tout ça. C'est parti, le combat commence entre le mammouth et le léopard, entre Melpern et je ne sais pas qui. Qui est qui? Ok, Sila Makan. Ok, attendez. Là, c'est la bagarre. Ok, pour l'instant, le mammouth opte pour une fuite stratégique, sûrement. Il perd un petit peu de vie, mais le père n'a perdu de la vie aussi. Oh là là, il s'est fait rentrer dedans. Oh là là, ok, il y a des attaques qui s'enchaînent. Effectivement, le mammouth est quand même beaucoup plus avantagé sur les combats au sol, mais là, ça se balade dans les airs quand même un petit peu. Oi, le combat épique. Ok, dans quelques secondes, je vais donner une règle très simple qu'il faudra appliquer, les amis. Ok, 3, 2, 1, vous n'avez plus le droit de quitter le sol. C'est full par terre maintenant. Full par terre, évidemment. Évidemment, le mammouth va peut-être être un petit peu avantagé, mais bon, Melpern, tu dois quand même faire tes preuves, il court partout. Melpern qui a plus beaucoup de vie, là, pour l'instant, le mammouth est en surpoids, est en suravantage. Excusez-moi, je voulais pas dire ça. Ok, Melpern qui est à l'agonie et qui, je crois... Oh là là, non, ça va, il va bien pour l'instant encore. Il balance ses meilleures attaques sans quitter le sol, et pourtant, il utilise le Stampede, mais il a envoyé valser son adversaire par-dessus la troisième corde. Melpern qui a, je crois... Qui a gagné? Attendez, parce que je crois que ça s'est joué à très peu de choses, les gars, en termes de vie. Qui a gagné, les gars? Je veux du fair play. C'est le mammouth? Le mammouth? Melpern, est-ce que tu confirmes que c'est le mammouth? C'est le mammouth qui a gagné? Oui. Oh là là, Melpern qui fait preuve de fair play. C'est le mammouth qui a gagné, mais les gars, ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Mais bon, un point pour les mammouths. Eh bien, Melpern et toi, frérot, fais voir ton skin. Attends, il est incroyable. Il est trop mignon, ton skin, c'est une dinguerie. Les gars, arrêtez de le taper, là. C'est une dinguerie. Il a gagné. Laissez-le tranquille. Oh là là, bah écoute, toi, avec ton skin tout mignon, tu vas pouvoir aller te ranger là-bas avec Melpern. Bien joué à toi. 1-0 pour les mammouths pour l'instant. Allez, va là-bas, toi. Va là-bas. Bon, ça va être à votre tour, les petits frérots. Voyons voir. Tiens, toi. Attends, comment tu t'appelles, toi? Quel est ton nom? Attends, c'est Nanouche. Ok, Nanouche. Tu vas aller choisir un des trois là-bas. Sans les blesser, évidemment. Sans les blesser. Tout doux. Ok, il veut lui? Ok, donc ça va être un combat entre le maître Shifu et Nanouche. Et c'est parti. Attention, le amical 1v1. Attends, il arrive pas à se mettre sur la plaque? Il a pas réussi à se mettre sur la plaque. Bien, bien, ok. Attendons la transformation du mammouth avant que les hostilités commencent. Ok, c'est parti. Bonne chance à vous deux, les gars. Ça commence très très fort. Qui est en avantage pour l'instant? Ok, le mammouth qui perd un petit peu de vie. Le léopard quand même qui prend son avantage quand même dans les airs, hein, les gars. Mais attendez, mais ça va se passer super vite, là. Là, j'ai bien peur que ça ne se passe super vite. Nanouche en grande difficulté. Nanouche qui ne maîtrise peut-être pas encore super bien les habilités de l'éléphant, du mammouth. Effectivement, quand on voit la vie de Maître Shifu... Oh là, le Stampede, malheureusement, est inutile. Oh là là, attendez, il l'a chopé dans le Stampede. Va-t-il réussir? Ouais, mais c'est compliqué. Si le léopard peut esquiver le Stampede, ça sert à rien de continuer à l'utiliser. C'est un petit conseil, Nanouche. Je pense que tu devrais miser sur les attaques, parce que là, il peut facilement esquiver le Stampede du mammouth. Il veut pas écouter mes conseils. Il en fait qu'à sa tête et peut-être que ça va lui coûter la vie. Aïe, 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 Nanouche qui va bientôt mourir sous nos yeux, je pense, les amis. Nanouche qui prend ta
arrive et qui s'envole vers les cieux. Elle est un pixel de vie. Et c'est le léopard qui remporte cette bataille. Et du coup, mais attendez, c'était pas du tout un 1v1 amical là. Il y a eu des vrais morts là. Bah écoutez, ça ne change rien au fait que bah, le léopard a gagné. Donc ça fait un partout pour l'instant. Dédicace à Joachim. Eh bien, cher Joachim, si tu nous regardes, dédicace à toi. Ok, bah écoute, Nanouche et Maître Chifou, vous pouvez aller vous ranger sur le côté avec Melperne. Et si la macane. Allez, on va se ranger sur le côté avec ceux qui ont joué. Bien joué à toi, Maître Chifou. Allez, va là-bas avec les autres. Va là-bas. Bon, ok. Attendez quand même. Là, je dois laisser la parole au Maître Chat là. Attendez, il est incroyable. Tu as le droit d'aller choisir l'adversaire de ton choix parmi les deux mammouths restants, mon frérot. Lequel vas-tu choisir? Gauche ou droite? Oh, il prend celui de droite. Eh bien, c'est parti, les gars. Avant-dernier 1v1. Qui va remporter? Est-ce que ça va mettre un score décisif? Peut-être une petite avance à l'équipe adverse? Je sais pas encore. Mais c'est vrai que dès que j'enlève la règle du on joue sur le sol, et bah c'est vrai que là, les léopards sont en sacré avantage, mine de rien. Quoique là, il y a des petites attaques du mammouth qui sont passées quand même. Ça a pris dans la tronche. Ah là là, le mammouth est quand même facilement désavantagé. Hein. Il y a des attaques très très vénères, et pourtant, le mammouth est un level 2550, donc pas mal de force dans ses attaques. Et là, mais attendez, mais le léopard n'a pas perdu de vie, ou je rêve? Je rêve ou le léopard n'a pas perdu de vie, là? C'est une dinguerie. On voit qu'il le maîtrise, son léopard, c'est le chat légendaire. Il va l'enchaîner. Malheureusement, le mammouth rate ses attaques. Ah non, peut-être le stampede. Il a réussi un petit peu de stampede, il a fait perdre un petit peu de vie à notre léopard national. Et là, le mammouth, ça va être très compliqué. Là, il va falloir se ressaisir. Le mammouth doit se ressaisir, je vous rappelle, les gars. Utilisez uniquement les habilités du fruit. Ouh là là, ouh, ça a cogné fort. Ça a cogné fort et ça a réussi à égaliser les points de vie du côté mammouth. Il a cogné fort, il balance ses meilleures attaques. Allez, mammouth, peut-être. Aïe, 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 ça, malheureusement, c'est une attaque meurtrière de la part du léopard. Le léopard qui vient de remporter, les amis. On vient de voir la vie se reset. Bien joué, bien bien joué au léopard encore une fois. Les gars, qu'est-ce qui vous arrive là, les mammouths? Il faut se réveiller là. Bon, peut-être Aizen, tu vas faire la fierté des mammouths. On va voir. Écoutez, ceux qui ont déjà joué, allez vous mettre là-bas et c'est parti. Laissons place au dernier 1v1, les gars. Mammouth contre léopard. Est-ce que Aizen va faire la fierté des mammouths? Je vous rappelle qu'il y a 2 points à 1 seul en faveur des léopards. Maintenant, que va-t-il se passer devant nos yeux ébahis? Peut-être un retournement de situation, une égalité? Ou alors les léopards menant 3 à 1, c'est peut-être ce qui va attendre ces joueurs ce soir. Oh là là, oh là 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 là, attendez, il y a tout qui peut jouer là. Aïe aïe aïe, malheureusement, les attaques elles sont meurtrières, les attaques léopards sont très très énervées. Bon, eh bien écoutez, pour le dernier fight, je vais essayer d'appliquer la même règle que pour le premier. Aucun combat dans les airs, obligatoire de rester au sol. On reste au sol et on se retransforme en mammouth là, attention hein. On reste au sol, on ne part pas dans les airs. Bon, visiblement, il y en a qui veulent pas respecter les règles, attention. De toute façon, le mammouth là, il est en train de perdre pour l'instant. On le voit au niveau de sa vie, le léopard a encore quasiment tout. Le mammouth essaye de fuir, on dirait, pour mieux rebalancer ses attaques, qui ne marchent pas tant que ça, les gars, malheureusement. Aïe, 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 ah, le léopard, il en veut. Le léopard n'en démord pas, là, il veut son dû, il veut défoncer le mammouth malgré les attaques. Aïe, 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 aïe. Le mammouth qui n'a plus beaucoup de vie, c'est bientôt finito, je pense, pour notre mammouth national, le dernier, Aizen, qui part, qui fuit, et qui rattaque de plus belle, et qui a malheureusement, je crois, raté sa cible. Ah ouais, ouais, non, là, je crois que le dernier léopard, le léopard Saiyan, s'amuse. Et attends, je reconnais, ça c'est une V3 ça, attention. Et oh, ça c'est de la triche ça, hein. Ça c'est de la triche, moi j'ai vu la V3 là. C'est une dinguerie de faire ça. Il y a triche, exactement. Oui, je l'ai vu. La V3, on avait dit que les habilités du fruit. Attention. Bah non, il n'y aura pas de rematch. Tu as triché. Et du coup, on part quand même sur une égalité, les amis. Une égalité parfaite de 2-2. Parce que oui, j'accorde le point au mammouth. Oui, vous avez triché, monsieur. Mais ce n'est pas tout, les amis. Je demande à tous les spectateurs là-bas de revenir au plein milieu de l'arène parce que chacun va reprendre son camp, les gars. Les mammouths, retournez, transformez où vous étiez, et les léopards, exactement pareil, les gars. Parce que là, on va avoir un affrontement d'anthologie. Et oui, les gars, et oui, ça va être le 4v4. 4 mammouths contre les 4 léopards. S'il vous plaît, le monsieur le mammouth, il va falloir retourner dans votre camp. Ok, les amis, un affrontement incroyable. Vous savez quoi, on va changer un petit peu le truc. Les mammouths, allez vous mettre ici, là. Juste là. Et les léopards, vous l'aurez compris, de l'autre côté. Eh bien les gars, attendez, moi je veux voir ça d'ici. Attendez. Je veux voir ça d'ici, ça va être incroyable. La guerre. Mettez-vous en ligne, les léopards. Pour le coup, les mammouths sont très très bien en ligne, ils respectent les règles. Maintenant, les léopards, c'est à votre tour. Une belle ligne. Comme les mammouths. Ok, les gars, là, ça va être du 4v4 à mon top. Ça va être la guerre la plus totale. Je veux que vous vous rentriez dedans en plein milieu de toute l'arène, les gars. Ok. À la fin de mon décompte, vous pourrez affronter vos adversaires. 3, 2,
Hein ? C'est parti, les amis, je veux une guerre incroyable ! Et oui, les gars, full mammouth contre full léopard. Oh là 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 là, c'est la castagne, là c'est la bagarre. J'arrive même pas à discerner qui est qui. Et les gars, une fois que vous mourrez, je veux du fair play, je veux que vous sortiez de l'arène. Oh là là, où sont les ennemis, où sont les alliés? Ça doit être très dur pour eux de le constater. Attendez, oh, y a un mammouth qui est en grande difficulté là. Un mammouth en grande difficulté. Oh là là, ah oui, mais y a beaucoup de mammouths en grande difficulté. Attendez, c'est une dinguerie. Et les léopards s'en sortent plutôt bien, sauf un qui est un petit peu moins en forme. Oh là 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 là, dinguerie. Attendez, je crois qu'il y a un mammouth qui est au bord du décès là. Y a un mammouth qui va bientôt y passer, je pense. Oh oui. Attendez, 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 il y en a plusieurs même. Oh là là, les mammouths qui ont pris tarif. Il y a beaucoup de mammouths qui ont pris tarif là, les gars. Déjà, je crois qu'il y en a un qui est sorti du ring. Ils sont plus que 3 mammouths dans l'arène. Attention, lui il va prendre lui. Oh lui, on le sait, il va prendre. Lui, il va canner. Et il a canné, les amis, sous nos yeux. Il reste plus que 2 mammouths contre 4 léopards toujours. Et oui, oh là là, plus qu'un mammouth. C'est fini. Oh là là, oui d'accord. Donc là, on a quand même vu qui gagnait quoi. Hein. Là, les gars, c'était compliqué. Le mammouth qui essaye de fuir. Mammouth qui essaye de fuir, les gars, c'est incroyable. Et le mammouth, je pense qu'il va subir le courroux des léopards, voilà, et qui a subi. Bon, bah, c'est un... D'accord. Oui, bon, là, il n'y a pas eu de triche. Là, c'est bluffant, là, quand même, hein. Les 4 léopards sont toujours vivants et aucun des mammouths. Bon, bah, les gars, je pense que... voilà, je pense que, voilà, même le fruit du mammouth n'a rien pu faire contre le léopard, voilà, c'est normal. Léopard spammer, c'est pas beau de dire ça, d'accord. C'est pas beau. Même si t'as un peu raison, voilà, c'est... N'empêche, le mammouth reste plus stylé que le léopard, je crois. En termes de transformation, il reste quand même plus classe. Voilà, on peut pas lui enlever ça, les gars. Et ça va, je vais commencer à me faire mêler par des léopards. Ça, je rigolais, les gars, c'est bon, c'est bon. Tout doux, tout doux. Bon, et bien, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On sait maintenant qui peut se mesurer au mammouth. Voilà, bah, toujours le léopard, hein. Invaincu, les gars. Et merci beaucoup à tous les abonnés, les gars, qui ont participé à la vidéo. C'était incroyable. Oh là là, ça repart en baston. Les amis, bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en bas. On rush les 200 000 abonnés sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut. Oh là là, le combat incroyable. Ah ouais, là ça se déchaîne là. Aïe aïe aïe.